Cette chanson est ma prière pour mon pays. Ma vision pour ma patrie. C'est ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière luit. Ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Prie. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin boutier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi, garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Pour l'amour et pour la patrie. Le travail et la paix aussi. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. Que le peuple et ses dirigeants. Aient de nouveaux cœurs repentants. Sauve le Cameroun. 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 Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'émission Regard sur le monde. Pour tous qui ne me connaissent pas, je me présente encore à vous. Je suis Madame Fleur Karinouna, la Oprah Baminike, votre présentatrice de cœur de l'émission Regard sur le monde.
Merci déjà pour cette mélodie qui m'a été envoyée par Manuela. Manuela, merci pour cette belle chanson qui appelle Dieu de sauver le Cameroun. Bon dimanche à toutes ces personnes qui sont là. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons pour invité le grand prince et nous n'allons pas perdre le temps. Le grand prince Njoya. Un prince, c'est un prince. Les princes à respecter ou à honorer ne sont pas seulement ceux qui viennent de l'Arabie Saoudite, non. Un prince, c'est un prince. C'est un prince dominicain, un prince africain. Un prince de Bamoun, c'est lui notre invité de jour. Donc, merci déjà et beaucoup de courage à toutes ces familles endeuillées. Mes sincères condoléances à toutes ces personnes qui traversent les moments difficiles. Sachez qu'il y a quelqu'un qui en haut qu'on appelle Dieu. Confiez-le cela. Et à toutes ces personnes malades, bonne guérison. À toutes ces personnes qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine, joyeux anniversaire. Alors, nous n'allons plus tarder. Nous allons directement inviter notre invité de Mac à notre émission et nous allons commencer. Donc, merci déjà à toutes les personnes de bonne foi. Notre invité de Mac, je t'ai envoyé la demande vidéo. Donc, il faut accepter de ton côté et puis nous commençons l'émission. Grand prince, vous n'avez pas accepté. Et je remets encore sur ajouter. Vous faites comme l'essai que nous avons fait dans la semaine, décrocher tout simplement. N'oubliez pas de renverser le téléphone. Et toutes ces personnes qui m'ont envoyé des questions en semaine, sachez que le grand prince va répondre à toutes vos questions. Le conseiller du roi Njoya. Alors, grand prince, j'ai mis sur ajouter. N'oubliez pas de renverser le téléphone ainsi avant de décrocher. Voilà. Ok. Oh, il est mort. Bonjour, grand prince. Ouais, ça va. Oh, il est mort. Mouchachouka. Non, c'est ça que. Ok. Bienvenue à notre émission Regard sur le monde. Merci beaucoup. Ouais. Je prie déjà. Je suis honoré aujourd'hui. Ah ouais, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Et d'avoir honoré, parce qu'il y a toujours les gens qui disent est-ce qu'il va venir. Grand prince, il faut déjà cliquer sur partager pour que tes amis qui sont sur ton mur sachent que tu es déjà en direct. Il faut cliquer sur partager. Ah ouais, partager. Là, clique sur partager pour que ça signale chez tes amis. Oh là là, j'espère que je ne vais pas créer un scandale. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu ne vois pas là où on dit clique, là où on dit partager. Non, il n'y a pas. J'ai pas. Attends. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas. Attends. Ben, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Même après l'émission, vous allez partager. Ah ouais. Merci. Partagez l'émission dans les groupes. Oh là là, grand prince. Ah ouais, je vous demandais la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu le créateur de toutes choses. Merci Guillaume, merci Amédée, merci la Irlandaise Anne Flore. toujours prière, la prière. Le grand prince. Ouais.
Stéphane, ça va? Ça va, mais j'ai Ça va? des... Je sais pas où... Attends, je sais pas s'il faut... Non. Ça va? je ne vois pas. Je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Tu vas partager plus tard si tu ne vois pas. Même après l'émission, tu vas partager. Nous allons commencer. Oh là là, Grand Prince, ne te dérange pas, viens, on commence l'émission. C'est pas grave, le plus important, c'est qu'on fait ce qu'on a à faire. Il y a quelqu'un qui m'écrit là que il y a les autres qui sont en direct. Mais alors, ces personnes-là savent que j'avais déjà mis l'heure de l'émission, non? S'ils ont choisi de faire l'heure directe à la même heure que la mienne, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois faire ce que j'ai à faire. Ben oui, c'est ça aussi le changement. Le changement du Cameroun que nous tous nous voulons là, c'est aussi changer les mentalités. C'est aussi respecter l'autre. C'est savoir que, ah oui, ma soeur a l'émission à telle heure, elle a mis avant moi et je respecte cela. Donc je ne peux pas laisser l'émission parce que les autres sont en direct. Mais alors, ces autres-là, ils savaient que j'avais l'émission à 17 h. C'est pas grave. On fait ce qu'on a à faire et ils font ce qu'ils ont à faire. Le plus important, c'est que chacun fait ce qu'il a à faire dans la positive attitude. Ok. Grand Prince, faut pas te déranger, hein. Faut pas te déranger. Tes amis peuvent t'aider à partager. Donc, si tu ne parviens pas à avoir partagé, comme tu maîtrises pas bien, tu maîtrises pas bien. Ok. C'est bon. Ok. Grand Prince, Ouais. bienvenue encore à notre émission. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes l'homme qui avait fait le buzz avec une vidéo que vous avez fait il y a de cela quelques jours en fait, je dirais pas quelques semaines. Et cette vidéo a tellement fait buzz, ça fait aussi beaucoup de problèmes dans le milieu camerounais. C'était dans tous les WhatsApp, c'était dans plusieurs pages Facebook. Moi-même personnellement, hein, je l'ai partagé. Mais alors, Prince, la première question que je vais vous demander, le grand prince, vous êtes conseiller du prince, du roi Joya, ou vous êtes juste un membre de la famille? Est-ce vrai que vous êtes un Bon, voilà. Bon, moi, d'emblée, je vais d'abord, avant de commencer à répondre à votre question, je vais d'abord lire ce communiqué que... Oui, les gens m'appellent. Qui ne t'appelle pas? Oui, Allez. Donc, je vais d'abord, avant de commencer... J'ai fait une vidéo. Et cette vidéo a fait la une de tous les journaux partout dans le monde. Et comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que j'ai fait la une des journaux au Cameroun. Donc, je suis un habitué. Mais là, j'ai reçu des messages des amis qui me demandent si j'étais dans le secret. Eh bien, il est évident que, avec mon statut de prince que je suis, il va de soi que quand il y a une situation qu'on m'informe. Alors, moi, je m'occupe de mes affaires, de mes petits. Enfin, comme d'habitude, et je reçois des coups de fil de gauche à droite et tout. Et après, gens m'appellent, me disent, mais écoute, on a entendu sujet ton père. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Parce que bon, moi, je sais que depuis qu'il fait la politique, je ne me suis jamais mêlé de son problème. Enfin, c'est ce qu'il fait. Bon, et en parenthèse, je vais juste clarifier quelque chose. Je ne suis pas le porte-parole du roi. Je ne suis pas le porte-parole de la famille royale. Je ne suis pas le porte-parole de LDPC au palais. Je veux que ce soit clair. Bon, donc, je tiens à rappeler ici que ce n'est pas la première fois que notre père,
notre père, notre chef de famille, la dynastie Bamoun, me désavoue. Pas une fois, je suis déjà sorti, j'ai déjà fait des buzz. Enfin, je le fais tout le temps. Parce que quand il y a un problème qui concerne mes frères et sœurs Bamoun, quand il y a des situations qui sévissent dans notre département, et il va de soi que moi, j'interviens. Bon, quand je dis intervenir, je réagis. Et quand je réagis, ça fait beaucoup plus de buzz. Ça, c'est le cas de le dire. Mais En prince, je là, vous parole. J'aimerais savoir, vous dites que vous n'êtes pas le porte-parole du roi, ni le porte-parole de la famille, ni le porte-parole du RDPC au royaume. Mais qui êtes-vous alors? moi, je suis prince et je suis de la famille royale et je suis le fils et petit-fils du roi Njoya, et qui, n'est-ce pas, a quand même des confidences. En tant que tel, nous avons dans chaque famille le roi. Avant d'être roi, il a d'abord une famille. Il a des enfants, comme nous autres. Il a des frères, des sœurs. Alors, quand il y a on a tout le temps les problèmes, c'est-à-dire que la réunion des familles, comme ça se fait partout dans nos familles respectives. Donc, à chaque fois que le sultan est attaqué, ou bien quand il y a un problème, moi j'interviens toujours. Mais dans le cadre Me reste familial. en prince, puisque dans votre sortie, votre vidéo que vous êtes sortie, vous avez dit vous êtes le conseiller du roi. Est-ce vous? Oui, mais oui, mais oui, conseiller, oui. J'ai dit ça, oui. Et j'assume ce que j'ai dit. Éclairer au peuple avant qu'on ne continue. Donc vous êtes l'un des conseillers du roi. Et oui, ok. Pourquoi donc avez-vous sorti votre première sortie, donné des déclarations? D'où votre seconde sortie a été différente de ce que vous avez dit. Vous avez dit le roi ne sera pas. Et après la deuxième vidéo, vous avez dit le roi, il sera au meeting à Bafoussam. Pourquoi ce changement subit? Bon, je vais un peu essayer de faire un peu l'historique de ce que nous vivons souvent au quotidien dans notre famille respective. Bien avant, pour la petite histoire, il y a eu un problème un peu similaire que j'ai. J'ai eu un problème un peu similaire dans le passé. Où j'ai, lors de mon dernier voyage au Cameroun, parce que j'avais perdu ma grand-mère, et je voyais au palais, à chaque fois que je suis à côté du roi, je voyais des gens qui venaient quémander l'argent, les problèmes au quotidien et tout. Et un jour, je dis à notre chef de famille, qui est le roi, qui est notre père, je lui dis, mais là, avec tout ce que tu vis là, moi, je ne peux pas supporter, parce que c'est trop. Et on a rigolé. Et moi, ce que j'ai vu dans mon village, j'ai vu la misère, j'ai vu la pauvreté, le mariage précoce, la polygamie sauvage que j'ai dénoncé dans toutes mes sorties médiatiques. Et le lendemain, j'ai demandé à notre chef de famille que, bon, voilà, je vais faire une sortie médiatique. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, parce que ce que j'ai vu, ça m'interpelle. En tant que père, prince, et comme j'ai toujours dit avant, eh bien, en tant que prince, le titre de prince que je porte en moi ne serait que dérisoire si ce peuple n'existait pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette sortie médiatique. Et j'envoie une correspondante à la famille, comme toujours, et il n'y a pas eu de problème. Alors maintenant, quand je balance dans les médias au Cameroun et partout, et le lendemain, une semaine après, vous imaginez, c'est qu'il y a eu, il y a eu un tollé général dans la famille où le sultan roi des Bamoun a été assiégé par les élites de mon village. Et ils ont demandé, et exigé, et obtenu d'ailleurs, que mon père puisse sortir, que le roi puisse sortir, et n'est-ce pas, me désavouer. Et bien entendu, il est sorti, il m'a désavoué, parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Me soutenir publiquement. Donc, bon, moi, j'ai compris. Les médias m'ont demandé de réagir, je n'ai pas réagi.
Donc, je respectais mon père, je l'ai respecté, je n'ai pas voulu, n'est-ce pas, réagir à cette machine et tout. Donc, ce n'est pas une première fois, ce n'est pas la première fois. Pour ceux qui ont, qui connaissent un peu l'histoire, peuvent se rappeler de ce que j'ai fait avant et ce que je continue à faire depuis. Donc, pour ce cas précis, je suis dans mon coin. Et je reçois des vidéos, des insultes, des audios et autres. Et on me dit, eh bien, écoute, votre père est traîné dans la boue. Bon, ben, j'appelle maintenant la famille, comme ça va de soi. Et je demande à la famille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Voilà, je reçois ceci. Et puis j'appelle la reine, la maman. Je demande à la maman, et maman, est-ce que papa a vu ce que je vois là? Elle me dit oui. Alors je demande à la famille, je dis, mais est-ce que. Parce que dans mon programme, parce que je sais que j'apprends rien à une personne comme toi qui es de l'Ouest, que il y a chez nous, dans notre tradition, chaque année ou chaque, je crois, 2 ans, on a des choses qu'on fait qui est sacrée et le roi doit être là. Et dans le programme du roi, j'ai demandé qu'on m'envoie le programme. On m'a envoyé le programme. Et dans le programme du roi, et il n'est nullement mentionné nulle part que le roi sera à Bafoussam. Alors, donc, je demande confirmation et j'ai eu la confirmation que le roi ne sera pas Bafoussam. Alors, j'ai dit, bon, mais dans ce cas, alors, je vais maintenant dénoncer pour arrêter cette dérive langagière à l'égard de ma famille, ce qui est d'ailleurs normal. Alors, maintenant, je fais comme ce. Je fais la vidéo et à minuit, je suis contacté, on m'appelle, on me dit, ben voilà, le palais est assiégé par la population. Parce que avec tout ce qu'on a subi comme menace par nos frères de l'Ouest, de Bafoussam et autres, des menaces de mort et tout ça, machin et tout. Et les gens ont dit, bon, ben, écoutez, maintenant, on n'est pas plus à Bafoussam en tant que. Il n'est parti plus à Bafoussam en tant que leader politique, mais il part en tant que chef traditionnel. Et c'est pour ça que dans ma deuxième vidéo, j'ai dit que. Enfin, là, maintenant, bon, le lendemain, on me communique, on me dit que, bon, voilà, il y a une décision qui a été prise, bon, avec tout ce que ça comporte, et que j'en parle des détails. Et que le roi va faire un communiqué. Et ce qui est bizarre, ce qui m'a paru un peu bizarre, on m'a demandé de faire ce communiqué que j'ai fait pour la deuxième fois. Je n'étais pas très confortable avec ça parce que c'est un problème de crédibilité. Et moi, tous ceux qui me connaissent dans le pays Bamoun, tous ceux qui me connaissent dans le pays Bamoun savent que quand je dis quelque chose, ça veut dire que je vérifie. Je ne donne pas les informations pour amuser la galerie. Et tous ceux qui ont, dans le temps passé, ont eu à me confronter, savent que avant de parler, j'ai des preuves. Alors, j'ai demandé qu'on m'envoie des preuves et le programme du roi. Et on m'a envoyé, et que je peux déjà vous demander, pour que je vous envoie, et je peux déjà vous demander de brandir et me dire si Bafoussam était mentionné dans ce programme. Donc, grand prince, si j'ai bien compris, je vais montrer le programme, il n'a pas de souci. Si j'ai bien compris, c'est des personnes au royaume Bamoun qui t'ont appelé de faire la deuxième vidéo. Ou ce sont les membres du gouvernement. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas, je ne veux pas ici continuer à donner l'image que je suis celui. Je peux vous rassurer que je suis au secret, c'est-à-dire que je suis informé. Donc, Voilà le programme qui m'a été envoyé. voyez. Le Tu peux programme. lire le programme à haute voix, comme ça les gens peuvent Le temps écouter. à lire parce que je vois le programme de ce samedi-là qui ne mentionnait nulle part que le sultan devait être un événement à l'ouest. Je vois plutôt une cérémonie traditionnelle à Foumban parce que je vois son programme jusqu'à la fin de ce mois. Il n'y avait pas ça mentionné là. Voilà, c'est ce programme. Voilà. Donc, quand je demande qu'on m'envoie ce programme, c'est pour. Faites ce que nous, qu'on appelle aux États-Unis
à backup, pour que si jamais il y a crash comme on a eu là, et pour que je puisse me défendre. Et dans et le programme là que vous avez publié là et que vous avez montré, c'est un programme que quand le roi, je dis bien quand le roi fait ce programme là, même si c'est le président de la République qui l'appelle, il ne part pas. Et pourquoi est-il allé cette fois-ci? Attendez, j'explique. Bon, maintenant, vous savez, moi j'ai toujours dit, les hommes politiques camerounais, c'est des gens qui changent d'avis tous les 5 minutes. Alors, mais en tant que tel, je ne peux pas te dire, parce que, d'abord, je vais vous dire pour la petite histoire. La dernière fois, il y a 3 ans, il est parti à Bafoussam. Il n'a pas fait un communiqué qu'il est parti à Bafoussam. Et pourquoi cette fois-ci, il a fait ce communiqué? C'est parce qu'il y a eu, comme tu connais, et dans ma vidéo, Ce la qui première vidéo, est bloqué, ne vous inquiétez pas. j'ai dit dans ma première vidéo que le roi n'a pas peur d'aller à Bafoussam, mais il a un programme. Mais avant, il a parlementé avec les gens qui sont venus avec ces documents pour qu'ils signent. Et parce que ça ne correspondait pas à son programme. J'ai bien détaillé ça dans ma première vidéo. Et ils ont trouvé un compromis. Et ce compromis était que, bon, mais après la fête traditionnelle, il peut faire un saut à Bafoussam pour faire son discours. Tu comprends? Et j'ai bien mentionné ça là. Bon, donc, je ne pense pas que. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne demande pas. Je ne cherche pas à me faire remarquer parce que tout le monde me connaît. Si c'était à refaire, je le ferais sans gêne. Mais parce que je crois que je détiens quand même quelque chose qui fait que je ne pense pas que non seulement j'ai failli à ma mission, mais j'ai donné une information. Parce que je vais vous dire pour la petite histoire. Il y a plein de gens dans ma famille. Je l'ai bien dit dans ma vidéo. J'ai dit qu'il y a plein de princes plus intelligents que moi qui peuvent parler. Mais quand ils parlent, ça n'a pas le même écho que quand moi je parle. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de le faire. Et ce n'est pas la première fois. Donc, maintenant, ceux qui, n'est-ce pas, cherchent à se faire remarquer, parce que j'ai vu certaines personnes, n'est-ce pas, essayer de se faire remarquer pour, n'est-ce pas, se donner l'importance, peut-être se fait nommer ministre, puisque c'est le cas au Cameroun. Eh bien, moi, je suis apolitique, je n'ai jamais milité pour un parti politique et je ne milite pas. Chaque fois que mon père a été attaqué par ses collègues politiques, je n'ai jamais intervenu. Mais j'ai intervenu cette fois-ci pour la simple bonne raison que lui, il avait un programme. Et je voulais atténuer, n'est-ce pas, toutes ces dérives ça va dans tous les sens. Alors, vous comprenez que je ne peux pas quand même rester indifférent. C'est comme vous, madame, si on insulte votre parent. En principe, je comprends bien, vous êtes un homme apolitique et vous n'êtes dans aucun parti politique, c'est ça? Je dis ici, je pèse mon mot et je demande, je mets quiconque au-dessus de me démentir. Je ne me suis jamais intéressé à la politique de mon père, c'est-à-dire le sultan roi de Bamoun, qui est notre chef de famille. Je ne me suis jamais intéressé à sa politique. Chaque fois qu'il a eu des soucis politiques, je ne me suis jamais intéressé. Et je crois qu'on a ce qu'on appelle aux États-Unis un have a record. Ok, on va continuer. Mais vous, en tant que conseiller du roi, comment le sultan, j'aimerais savoir, parce que je sais que vous, personnellement, vous avez eu à discuter avec le grand sultan, que je lui dis déjà bonjour papa de l'autre côté de Foumbane. J'aimerais savoir comment le roi peut-il accepter aller dans un événement pareil qu'on appelle une campagne ou un événement de la paix, et pourtant la guerre se trouve plutôt au Nozo et au nord. Est-ce que, quand vous avez essayé de parler de ça avec votre père, est-ce qu'il n'a pas compris qu'il y a une nuance quelque part et qui pouvait affecter le moral de beaucoup de personnes et qui devait beaucoup perdre sa crédibilité devant le peuple camerounais? Oui, c'est un problème très complexe. Tu es puis un peu, je dirais, un peu sensible.
Parce que, croyez-moi, depuis l'événement que nous subissons au Cameroun, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et ceux qui vivent au Cameroun peuvent témoigner, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'avec cet événement, avec votre question, il va songer à cela. Parce que je me rappelle, on avait cotisé l'argent pour nos soldats à l'ESM Nord, à Foumben. On avait cotisé pour nos soldats. Et à Foumben, si j'ai bonne mémoire. Mais maintenant, pour la guerre dans la zone anglaise, eh bien, en tant qu'homme politique averti, je crois que il va de soi que lui va peut-être prendre une décision dans les prochains jours. Peut-être quand il va, comme je sais, je suis convaincu, je suis notre émission, eh bien, il va peut-être prendre une décision dans ce sens. J'espère bien, parce que le sultan, il a promis, hein, il viendra à notre émission, donner sa version de fait et répondre à la question du peuple, parce qu'il dit, nous sommes son peuple et nous sommes ses enfants. Donc, nous allons continuer. En ce qui concerne le sultan, parce que moi... Avant de continuer, j'ai un message. Vous m'avez coupé, je voulais passer un message. Donc, moi, le message, c'est ceci. Moi, j'appelle ici, c'est le Grand Prince Njoya. J'appelle tous mes frères, tous mes amis de l'Ouest, que ce soit de Banjoun, de Bangante, de Bafan, de Chan, de Baham, de Foumben. J'appelle tout le monde de faire preuve de retenue. Je suis fatigué de qu'on m'envoie tout le jour les insultes, la haine. On est entre nous, entre Bamo et Bambéké, nous sommes faits pour vivre ensemble et nous sommes ensemble pour l'éternité. Donc, je ne peux pas accepter qu'il y ait des divisions, qu'il y ait des insultes. Et je demande à toutes mes amies, à tous ceux qui me soutiennent et ceux qui m'aiment bien, d'arrêter, s'ils sont dans le coup, d'arrêter de s'insulter et ça va aussi. Parce que dans ma famille, madame, nous avons le vivre ensemble, ce n'est pas un truc que nous, moi, dans ma famille, nous avons les Bafans, nous avons les Baranté, nous avons les Baham, les Chans. Je peux vous dire que j'ai même d'ailleurs une nièce à moi qui, n'est-ce pas, vient de se marier avec un Chan, qui est d'ailleurs un magistrat. Donc, vous comprenez que chez nous, le vivre ensemble, c'est depuis toujours. Alors, donc, quand je vois cette dérive, cette haine, l'appel à la haine contre mes frères Bamléké ou mes frères Bamoun, je condamne avec toutes mes forces. Je ne peux pas supporter que, d'abord, on a une histoire ensemble et on a la même tradition. Mais grand prêtre, Alors, donc, sans ignorer qu'il y a certains Bamoun qui se déclarent ne pas être les Bamliki, vous n'ignorez pas ça quand même. Moi, vous savez, moi, je parle pour moi, hein. Je ne parle pas pour les autres, mais le problème, c'est quoi? C'est que chaque personne assume ce qu'il dit. Mais moi, je ne peux pas même être ici à la télévision. Je vais vous prendre pour la petite histoire. Et mon frère, c'est de Mobonjoya, ça m'a écrit bien. Le directeur du musée de Foumben, qui est aussi mon frère, Saman Ebulu. Et j'en ai de plein comme ça. J'ai des frères Bassa. Vous croyez que moi, je vais me rester là et puis commencer à soutenir des choses qui ne sont pas. Non, non, moi, je ne peux pas supporter ça là. Donc, je condamne. Je dis bien, je condamne. J'appelle le gouvernement. J'appelle l'opposition de s'unir, de trouver un consensus pour régler ce problème de tribalisme et de la haine que nous subissons aujourd'hui. Parce que je n'ai pas connu ça quand j'étais enfant. Moi, je ne faisais pas la différence entre un Bafan, un Baganté ou un Banjouné. Pour moi, c'était mon frère. Alors aujourd'hui, on me rappelle que non, le Bafan ou le Baganté est différent de moi. Moi, je ne vois pas pourquoi il est différent de moi, puisque la plupart de mes amis sont des Bamliké. Et je ne vois pas pourquoi je vais détester, écoutant dans ma propre famille, j'ai le Bambiké. Alors, ça, je crois que ça, c'est vraiment. Nous, on n'a pas besoin de la guerre au Cameroun. Moi, je prends la paix. Je veux qu'il y ait la paix au Cameroun. Vraiment, ça me fait mal quand je vois les gens, nos soeurs, nos frères,
la zone anglaise, je peux vous dire que au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de réfugiés à la maison à Foumen. Les gens qui viennent de la zone anglaise, qui sont aujourd'hui au palais. Et on ne sait pas quand ils vont rentrer. Et vous croyez que ce n'est pas facile, ce n'est pas très gai, que tu abandonnes tout ce que tu as et tu vas vivre ailleurs. Ou, bon, ce n'est pas quelque chose. Moi, je n'imaginais pas ça. Eh bien, les gens ont tendance à oublier le Rwanda et puis la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand la guerre commence, on ne sait pas quand ça finit. Hein. Donc, je ne suis ni pour l'autre, ni pour l'opposition, ni pour le gouvernement. Je suis neutre. Donc, ça me donne le pouvoir d'avoir ma liberté de parole. C'est-à-dire que quand je veux parler, je n'ai pas peur de heurter mon parti ou bien cette personne. Non, pas du tout. Quand je suis au Cameroun, quand je suis au palais, quand les ministres viennent au palais, on le reçoit. Quand les membres de l'opposition viennent au palais, on le reçoit. On ne fait pas la différence. Moi, c'est ce que j'ai connu. Bon, maintenant, avec l'événement du multipartisme que nous, on connaît aujourd'hui, avec tout ce que nous avons suivi dans notre famille au palais, je vous rappelle que le palais avait été, et on a eu tellement de problèmes que, parce que on soutenait, enfin, pas moi, je veux dire, mes parents, la famille, soutenaient le régime en place, et les gens sont venus, les gens sont venus, bon, maintenant, ils sont revenus à... Ils ont repris conscience. Ils sont venus pour fuir le palais. Et il a fallu que l'armée, c'est-à-dire qu'il fallait que le gouvernement envoie l'armée pour garder le palais pendant au moins des mois et des mois. Et je veux vous rappeler que même la mosquée centrale de Foumen a été gardée par les militaires pendant des mois et des mois. Donc moi, je suis quelqu'un qui veut la paix. Je ne veux pas la guerre chez moi parce que je sais ce que c'est. Je vois des images. J'ai connu. Bon, c'est vrai, j'ai cet avantage d'être aux États-Unis d'Amérique et que peut-être que je n'ai pas toujours connu cette misère que nous vivons aujourd'hui, mais je peux comprendre que parce que quelqu'un a faim et qui peut se prostituer pour des prunes. Voilà. Ok, mon prince. Mon prince, le grand prince, Njoya. Je vous écoute parfaitement et le peuple vous écoute aussi. Mais ma préoccupation, elle est laquelle? Elle est très simple. Pourquoi le sultan? Déjà lui-même, il a les réfugiés, des personnes qui ont quitté le noseau de la guerre, qui sont en exil chez lui, à la maison. Pourquoi lui, il ne peut pas organiser une marche de paix? Pourquoi n'est pas lui-même allé à Bamenda en tant que le roi? Il n'est pas seulement le roi de Bamoun. Il est le roi de tout le Camerounais. Un chef, c'est un chef. Un chef se sent à l'aise partout dans le pays là où il se trouve. Pourquoi il n'organise pas quelque chose de paix à un événement vraiment grandiose, d'aller à Bamenda et dire stopper, arrêter ça? Mais pourtant, il a des gens qui sont quittés du noso, qui l'hébergent chez lui. Et comment il parlait dans ce meeting? Et j'attendais dans son discours quelque chose qui devait donner l'apaisement pour dire stop à cette guerre du Noso, mais moi j'étais déçue qu'il n'a même pas fait attention à ça. Pourquoi vous-même qui êtes conseiller, vous ne pouvez pas penser à dire au sultan d'aller voir comment il peut faire de son pouvoir de sultan pour essayer d'arrêter cette guerre du Noso? Parce que je sais déjà qu'il est un ami intime au président Pobia, d'ailleurs. Je le sais. Que le président, parfois, quoi qu'il a étudié en Bomé Capotan, il est à Foumban. Il est là-bas. Il est au royaume, il dort là-bas avec son ami. Ça veut dire qu'il est mieux placé pour parler au président de la République. Il est mieux placé pour plaider pour le peuple, pour nous. Pourquoi il ne le fait pas? Je peux pas. Vous savez, lui, c'est un homme politique. Et en tant que tel, il a d'autres priorités. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais il n'a pas aussi de pouvoir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il peut faire des propositions. Je vais vous prendre un exemple très simple. Le peuple Bamoun, haute bien des élections, a voté majoritairement le RDPC. Je dis bien majoritairement le RDPC pour les élections présidentielles. Oui, mais c'est parce que le sultan, il Attends. Non, attends, j'explique, je vais essayer de schématiser mes propos. c'est un peu comme Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant?
On n'a pas, bien que je fais un petit coucou à mon frère Zakaria, ou ministre délégué, on n'a pas un ministre. Il pouvait, s'il avait le pouvoir, comme contrairement à ce que certaines personnes pensent, je crois qu'on devait avoir au moins deux ou trois ministres. Mais on n'a pas. Et peut-être qu'avoir peut-être plusieurs ministres, on pouvait peut-être organiser autre chose que ce que nous on voit aujourd'hui. Mais nous avons connu le ministre Moussoukou qui a été sacrifié, qui est mort, hélas, qui était le seul ministre qui a prouvé qu'il était quand même un patriote qui aimait son village. Mais n'oubliez Malheureusement, pas que le il est parti. ministre, grand prince, Hein? n'oubliez pas que le sultan, il a été ministre au Cameroun. Et aujourd'hui, Oui, mais il a été. Attends, je vais vous dire. Il a été. Je vais vous dire. Il a été ambassadeur en Guinée équatoriale, ambassadeur en Égypte. Il a été aussi ministre de la jeunesse et du sport, ministre de l'administration territoriale, conseiller à la présidence de la République, ministre de chargé d'affaires à la présidence et bien d'autres, j'en passe. mais Ça, pourquoi c'est. il n'y a pas ni de développement à Bamoun? Parce qu'à Foumban, je sais, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il a eu tout ce titre en tant qu'un roi qui supporte un régime, qu'il est prêt à tout pour ça, et il y a le sous-développement chez lui. Est-ce que ça a un sens, le grand prince? Ben, si vous parlez de ça, ça veut dire que je peux vous renvoyer aussi chez les Bengo, chez les autres Boulou, qui, n'est-ce pas, ont tenu le pouvoir pendant des décennies. Et je ne crois pas que chez eux, la population de leur village respectif est différente de ce que nous vivons à Foumban. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si le gouvernement ne fait rien, eh bien. Ce n'est pas seulement dans le pays Bamoun. Je crois qu'on voit ça à Bafan, à Banjoun, à Barenté et bien d'autres endroits. Donc, ce n'est pas un problème propre au machin. C'est vrai, il a été ministre, il a machin, tout ça là. Mais bon, ça, c'est des questions que, quand vous l'aurez à l'émission, vous pourrez le poser. Parce que nous, la différence entre lui et beaucoup de gens, c'est que lui, on peut parler, avec lui, on peut parler. On peut lui poser des questions qu'on veut, il va vous répondre. Et contrairement à certaines personnes qui sont qui dictent, qui imposent, n'est-ce pas? Et ce qui n'est pas le cas de notre chef de famille qui est le sultan Wali Bamoun. Ok, moi j'attends le papa donc pour qu'il réponde à cette question. D'ailleurs, il a promis. Nous l'attendons à cette émission et qu'il réponde. Voilà. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut supporter un système, un régime. Il a eu tous les titres, je sais qu'on ne peut pas citer, mais chez lui, il y a encore les routes en clavier, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais à la fin, bon, en tout cas, nous l'attendons à notre émission, il va répondre à la question, puisque le grand prince nous renvoie chez le sultan, en fait. Ok, grand prince, mais vous-même en tant que grand prince, alors, un jeune de la diaspora, un Américain camerounais, qu'est-ce que vous-même en tant que grand prince, vous avez déjà fait pour cette jeunesse de Fouman, cette jeunesse de l'Ouest, ou cette jeunesse du Cameroun? Parce que vous êtes aujourd'hui conseiller, c'est un titre vraiment clé. À la chefferie, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ce peuple-là? Moi, moi, ça me fait rire parce que tous ceux qui me connaissent au Cameroun, ils savent l'amour que j'ai pour mon peuple et comment je me bats pour essayer de donner le peu que je peux avoir à ce peuple. J'ai fait des forages, je construis des écoles, j'ai fait construire des mosquées, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des dons quand j'ai l'occasion. Et quand j'ai l'occasion, j'envoie beaucoup plus des choses dans ma famille maternelle, c'est-à-dire à Malantouine, à 30 km de Foumban. Vous savez, vous avez même dit que je suis un peu trop chauvin. Mais bon, c'est que j'ai fait beaucoup. Mais tu sais, comme on dit souvent chez nous à Foumban, la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Hein.
Donc, on ne peut pas donner plus que c'est. Vous amenez même 100 milliards ou de 500 milliards à Foumben, vous ne pouvez pas régler le problème de tout le monde. Et c'est pour ça que le palais est constamment assiégé. N'oublions pas que j'étais celui qui a dénoncé la mendicité dans ma propre famille, au palais. Et effectivement, le roi a repris cette dénonciation dans son discours de trône, où il a dénoncé qu'il n'appréciait pas la mendicité. Parce que j'ai des amis ministres, des amis haut placés du gouvernement, des amis des opposants, les ambassadeurs qui m'appellent pour se plaindre. Mais c'est pas très gai. Quand on va chez vous vous rendre visite, avant visite à Foumben, eh bien, on est harcelé par la mendicité. J'ai dénoncé ça et le sultan Walid Mamoun, lors de son discours du trône, a aussi dénoncé. Donc, ça veut dire que quelque part, chaque fois, quand j'ai dit certaines choses, bon, il peut approuver comme il peut désapprouver, comme c'est le cas aujourd'hui. Ok, mais grand prince, vous avez dit vous faites dans des dons, vous avez fait du forage, vous êtes un homme qui fait dans l'humanité alors. Mais moi, je voudrais bien entendre que le grand prince nous promet que bon, prochainement, quand je vais aller au Cameroun, j'irai faire le don à ces réfugiés du Nauzo. Peut-être, je vais peut-être confier mon don peut-être à la fondation Paul Aya qui s'occupe à requérir ces dons de Nauzo, ou peut-être. Aller peut-être à Bonaberry, là où se trouvent toutes ces petites filles mineures qui se prostituent par manque de moyens, qui ont fui la guerre du Nauzo. Et beaucoup sont aujourd'hui orphelines de père et de mère. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Un grand prince comme vous, j'aimerais bien entendre ça de vous. Ça ferait quand même la fierté du peuple Bamileke, en fait. Eh bien, ma sœur, avec tout l'amour que j'ai pour ton émission, avec tout l'amour que j'ai pour toi, c'est enregistré, c'est noté. J'ai bien noté votre doléance. Et je crois que on aura. Bon, je peux déjà. Savez, les gens ne peuvent que m'appeler, ça c'est moi ce que je peux, ça. Parce que. Donc, j'ai noté et je crois que vous aurez de nouvelles. Ok, merci grand prince. N'oubliez pas que la promesse est une dette. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler ça tout le temps. Okay. Donc, nous allons continuer à la question suivante. Des personnes qui sont déjà en train d'appeler, s'il vous plaît, patientez 20 minutes un peu pour que le prince finisse déjà de répondre les questions pour ceux qui ont envoyé les questionnaires pendant la semaine. Je vous en prie. Ok. Grand prince, il y a une question qui m'a été envoyée par un Bamoun, en fait, qui demande pourquoi vous ne dites rien au sujet des jeunes Bamouns qui profanent les tombes pour le trafic des ossements humains à la recherche de l'argent facile. Il me fait comprendre qu'il y a beaucoup ce problème à Foumban. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de parler à ce sujet plusieurs fois et condamné d'ailleurs, parce que ce n'est pas nous, ça. C'est nouveau pour nous. Vous savez, on n'a jamais connu ça. Et ça, c'est un acte, franchement, que je condamne avec toutes mes forces. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, avec la misère, la pauvreté, le chômage. Je peux vous dire que dans le Noun, il y a le chômage. Dans les années antérieures, il y avait le Capplanon qui, n'est-ce pas, donnait du travail aux jeunes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a rien, mais non. Et puis, maintenant, les gens sont parfois livrés à des choses pas très catholiques. Ça, c'est le cas de le dire. Et ça fait de la peine pour beaucoup de familles. Et j'ai mal. Ça, c'est vraiment, j'ai mal pour ça. Et d'ailleurs, même le palais a déjà eu le temps, l'occasion. Enfin, il a eu à dire, à parler de ça et à dénoncer d'ailleurs ça. Et fait même des communiqués. Et comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas le porte-parole de la famille. Je suis prince, et quand il y a dérive, je dénonce.
J'ai eu déjà, je crois que vous pouvez peut-être, si vous vérifiez tous mes passages médiatiques, vous verrez que j'ai déjà eu à dénoncer ça dans beaucoup de mes directs. C'est vraiment ça n'en a plus les bas mondes, quoi. Parce que maintenant, on confond maintenant tout le monde. On a tendance à croire que tout le monde fait la même chose. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ça fait mal. Le grand prince, nous apprenons aussi qu'il y a trop de sectes à Fumban. Avez-vous déjà dénoncé cela? Qu'est-ce que le roi propre Oui, dit? je n'ai pas encore dénoncé ça pour la simple bonne raison que j'ai pas pour la simple bonne raison que vous savez, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit, la misère, la pauvreté, ça fait que beaucoup de gens se réfugient dans différentes. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Et qu'ils pensent qu'ils vont trouver leur solution à cela. Mais bon, vous savez, c'est comme partout, moi, je condamne. Ça, c'est le cas de le dire. Hein. Moi, je condamne, je n'apprécie pas. Et je ne pense pas que. Parce que moi, le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai tellement vécu au pays des Blancs, comme on dit chez nous à Fumban, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'échappent quand j'arrive dans mon village. Parce que quand je pars au Cameroun, moi, je suis beaucoup plus dans mon village. Parce que j'adore mon village. J'aime mon village. Même comme c'est pauvre, qu'il y a la misère et autres, j'aime le village parce que, y a beaucoup de choses qui me manquent. C'est que nous, on n'a pas aux États-Unis. Voilà. Grand prince, pourquoi le sultan avait révoqué son premier adjoint? Il y a eu un malentendu. Je crois que j'ai fait quand même des interventions à ce sujet dans les médias. Il y a eu un malentendu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous écoute. C'est vraiment dommage parce que parfois, c'est pas la première fois hein, qu'il évoque. Vous savez, moi, j'ai pas connu ça parce que on n'a jamais connu ça dans la famille. Tu comprends? Et le premier adjoint avait été accusé pour trafic de passeport. Et donc, il y a eu, comme vous savez, quelques magouilles au sein de la famille. Et vous savez comment ça se passe? Chaque fois que. On vient dire au roi que le président de la République est au courant de quelque chose. Tout de suite, il réagit. Et puis après, bon, il s'en rend compte qu'il a peut-être fait l'erreur, mais il est trop tard. Donc, j'ai, moi, si vous voyez, par ma page Facebook, vous verrez que j'avais appelé papa, notre père, notre chef de famille, à revenir sur sa décision. Bon, décision ferme. C'est comme quand il prend une décision, vous pouvez faire appel, vous pouvez essayer de lui rappeler des choses, lui faire comprendre que la décision n'est pas bien, mais quand il prend une décision, il prend une décision. Donc, on n'a pas vraiment de message. C'est vraiment très triste. Mais bon, c'est lui qui est là maintenant. C'est un grand fait qui est très gentil, qui est vraiment. Il est bien aussi, il travaille très bien, il a vraiment mon soutien. Voilà, donc ce côté-là, ça fait mal parce que vous savez, quand vous êtes quelque part et puis du jour au lendemain, on vous enlève, ça fait vraiment mal. Et j'ai le soutien, je soutiens celui qu'on a enlevé et celui qui est là. Et je fais un petit coucou à ma grande sœur, la princesse Rabia Tounjoya. Grand prince répond à l'américain. Grand prince. Grand prince, en fait, est pour tout le monde, alors. Si je comprends bien. Donc, grand prince, j'aimerais savoir pourquoi, donc, vous, vous êtes conseiller de votre père. Et je voulais savoir pourquoi votre père, qui est notre sultan, qui est notre roi à tous, soutient quelqu'un qui ne l'aide pas à construire son peuple. Parce que je me souviens, il y a encore quelques jours dans les médias, on parlait du musée, du nouveau musée qu'on vient de construire à Fumban, qui d'ailleurs, ce n'est pas encore fini. Et le président de la République devait inaugurer cela depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais inauguré cela.
et votre père, il est toujours en train de le soutenir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Peut-être le président immunière votre père par derrière et que le peuple en souffre et qu'il reste silencieux, quoi. Enfin, moi, là, pour le cas du musée, je peux vous donner déjà des informations parce que certaines personnes ont des informations erronées. Alors là, je peux déjà vous donner des informations. OK. Et là, ici, je peux déjà vous dire que le musée n'est pas fini. Je vois ici, c'est que Jeune Afrique a écrit qu'on a dépensé 1 milliard 100 millions. C'est plus que ça. Ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, on a besoin de 150 millions. Donc, je préfère ici, je profite de votre antenne pour faire appel à tous mes amis américains, français et allemands et anglais, s'ils peuvent venir nous aider pour finir cette musée qui est un bijou pour l'Afrique centrale. Donc, non, c'est qu'on vous a donné une information qui est fausse parce que ce n'est pas le président de la République qui va venir nous voir le musée et ce n'est pas lui. Ce n'est pas le président du pays qui a bloqué l'inauguration de ces musées. C'est parce que le musée n'est pas encore fini. Et on a un souci maintenant parce qu'on n'a pas l'argent pour finir. Et bon, le peu qu'on a, on a quand même trop investi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le roi qui, n'est-ce pas, essaye de faire avec le peu qu'il a pour faire avancer les travaux. Donc, le musée n'est pas fini. Et si. Dès que, bon, vous serez au courant, puisqu'on va communiquer ça dans tous les médias. Et en ce moment-là, on va vous envoyer votre invitation, vous verrez, pour c'est pas, Merci. visiter le Grand Palais. Merci déjà. Mais grand prince, il y a une question là qui a été posée par un Bamoun même d'ailleurs, qui demande pourquoi le sultan s'est jamais posé des questions, pourquoi il perd toujours les élections municipales à Fumbani. Vous savez, je peux déjà vous dire qu'ici, la démocratie, quand la démocratie est venue au Cameroun, certaines personnes ont cru que le palais bénéficiait de beaucoup d'avantages. Et certains de mes frères et sœurs, que j'aime d'ailleurs beaucoup, ont décidé de voter pour l'opposition. Donc, et comme je vous ai dit, ils perdent les élections parce que les gens votent pour l'autre parti. Donc, ce n'est pas un crime, c'est la démocratie. Bon, est-ce que le roi, bon, est-ce qu'il avait suivi des conseils? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand dans chaque royaume, bon, je suppose que chez nos frères et sœurs d'Amérique, c'est la même chose. Chaque fois quand le roi doit faire une sortie médiatique, il est appelé, n'est-ce pas, à demander des conseils à ses sujets. Et très souvent, tu sais, le roi ne part pas dans les fêtes, il ne va pas en boîte comme toi et moi, il ne va pas dans les cérémonies, machin, mais on vient, on lui dit, voilà, non, c'est bon, vous allez gagner les élections. Lui, il n'espère pas savoir, il attend puisqu'il est au palais. Mais bon, il a perdu. C'était qu'il y a eu honte. Moi, je peux vous le dire que j'étais un peu gêné, mais qu'il y a eu honte. Mais c'est un cousin qui est Adamo Danjé qui a gagné la mairie, et bon, on dit c'est la démocratie, et on accepte la défaite. Et quelles sont vos relations avec le maire Andamou Danjoya? Eh bien, Adamo Danjé, c'est un grand frère qui m'a vu naître, avec qui nous avons, c'est un membre de la famille, donc on n'a pas de problème particulier. Et c'est un homme politique, tout comme notre chef de famille. Moi, je préfère l'appeler comme ça, l'appeler mon père, parce que c'est ça. Donc, je préfère l'appeler chef de famille, dont le sultan Wali Bamoun. Et je tiens à vous rappeler ici que le sultan Wali Bamoun a deux casquettes. Hein. Il a cette casquette de roi de Bamoun, qui est le roi de tous les Bamouns, et le membre du bureau politique de l'EDPC. Et Adamo Danjé est
13 ans de l'UDC, le parti qu'il a créé. Donc, Allô? dans le passé, Une seconde, Prince. Je vais d'ailleurs dire aux auditeurs, l'antenne est ouverte. Hein. L'antenne est ouverte. Il y a la première auditrice en ligne. Donc, madame, s'il vous Marcel, plaît. c'est Marcel, c'est mon deuxième numéro. Ah, ok. Je voulais appeler et vous voir en direct. Ok, merci. Marcel, le grand prince est en ligne. Bonjour et bienvenue à l'émission Regarde tout le monde. Quand les gens appellent comme ça coupe. Allô? Je pensais qu'il est encore en train de parler. Non, posez votre question parce que vous insistez là depuis longtemps que vous allez à l'église. Donc, posez votre question et puis vous partez à votre église. Oui, merci. Il est en train de parler. Je ne peux pas poser ma question. Et le prince ne parle pas, il vous écoute. C'est monsieur. C'est Marcel. Ok, Marcel, s'il te plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter de suivre le direct de ton côté. Ok, Marcel. Marcel? Ok. Merci, Karine. Oui, alors, merci, Oui. Karine, de m'avoir donné la parole en premier. Ouais. Oui, justement. Ok. Bonjour, Prince. Merci, bonjour. Arrête d'écouter le direct là-bas. Tu ne peux pas en train de parler dans le direct et tu écoutes le direct. S'il te plaît, arrête. D'accord. Ok. Ok. Bonjour, en fait. Merci, bonjour. Une préoccupation quand on m'a dit que vous devriez être l'invité de regard sur le monde. J'ai insisté pour vous poser une question. Oui, je vous écoute. Oui, il vous écoute. Je ne vais pas peut-être faire la biographie de votre père, mais justement, juste je sais que votre père est né le 27 octobre 1930 à Pombal. Ça veut dire qu'il a 81 ans aujourd'hui et il est sultan depuis 1892. Mais aussi, je sais qu'il est administrateur civil principal. Et il a commencé à travailler en 1957. De 1957 à 1960, il était attaché au cabinet du haut commissaire français de la République au Cameroun. Et ainsi de suite, il a gravi des échelons. Il a été 7 fois ministre, 8 fois. Il a été 7 fois ministre. Ça veut dire 7 ministères différents. S'il te Et plaît, puis, pose ta question parce qu'on doit respecter l'heure, s'il te plaît. oui, mais il faut qu'il comprenne. Ma question va clôturer ce que je suis en train de dire. Ouais. Ok, donne-moi une seule minute. Alors, au vu de tout son parcours, puisque aujourd'hui il est le doyen de l'administration, puisque un roi est toujours dans l'administration, il est administré auxiliaire. Alors, ma question est de savoir, et il est connu de tous. Moi, je vais peut-être continuer dans ce sens. Il est connu de tous que votre symbole est le serpent à deux têtes, qui signifie, d'après moi, mais pas seulement d'après moi, d'après presque tous les Camerounais, que le serpent à deux têtes, c'est la trahison. C'est un crime. Alors, les gens qui manquent de sincérité ou qui ne le sont même pas, pour ne pas dire jamais ils l'ont été. Votre père est un ex-colon, un néo-colon, qui a commencé à travailler comme je l'ai dit, attaché au cabinet du haut commissaire français au Cameroun. Qui a été un étudiant en France.
vous ne pouviez pas travailler avec les colons sans appliquer leur politique. Ils traquaient et tuaient ceux qui voulaient un meilleur pour le Cameroun, pour tous les Camerounais, et non pour leur Cameroun, pour certains, comme tel est le cas aujourd'hui. Ma question enfin est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous prouver que le sultan n'est pas dans la même dynamique que lors de la colonisation, c'est-à-dire voyant le Cameroun RDPC en train de chavirer, ou bien de on a juste rappelé son rôle. Par exemple, il lui a dit voilà, moi je t'ai trouvé dans cette histoire-ci. Donc fait comme d'habitude. Ça veut dire qu'il faut affaiblir les Américains en les divisant. Et à la fin, je crois que c'est ce qui a presque été fait. Parce que après ça, tous les journaux, l'actualité, c'est que l'Ouest a tourné plutôt à Kanto, qui est Paminiki. Alors, est-ce que votre père n'est pas simplement dans son rôle, et puis vous êtes en train de jouer le jeu, votre symbole, ça veut dire le serpent à deux têtes, dire ceci demain et autre chose demain, juste pour divertir. C'est ça ma question. Ok, merci. Le prince va vous répondre. Grand prince, toi, vous avez suivi sa question? Oui, moi j'ai suivi où le frère parle de l'histoire du sultan avant qu'il devienne roi. Parce qu'à l'époque, j'ai un peu suivi. Apparemment, il connaît bien l'histoire parce que il a quand même donné quelques indications, n'est-ce pas? Mais ma soeur, ce que je peux te dire, ce que je peux dire à mon frère, que non seulement il y a dans ma propre famille des opposants. Okay. Il y a les princes et les princesses qui sont des opposants. Okay. Il y en a plein qui sont partis dans chez mon cousin. Et on n'a pas de problème parce qu'on vient de démocratie. Mais seulement, un monsieur, vous demandez à un monsieur de 85 ans de vous dire ce qu'il a encore à donner, avec tout ce qu'il a donné, je crois que c'est quand même un peu difficile. À un certain moment, on ne recule plus. On est comme... on est obligé de faire avec. Moi, je vous dis, sans me tromper, que nous recevons tous les jours tout le monde à le palais. Les opposants, les membres du gouvernement, les ambassadeurs, on les reçoit tous les jours. Ben j'ai un carnet crochet à jet. Mais c'est moi, des gens ont tendance à ignorer que le pouvoir traditionnel et le pouvoir politique est différent. Tu peux demander, je suis tout le temps interpellé par beaucoup de gens, même des amis d'ailleurs, qui souvent me demandent, mais pourquoi vous, votre famille, ont eu beaucoup de privilèges? Et pourtant, nous, on souffle et on n'a rien. Eh bien, je ne pense pas que c'est... Bon, moi, je pense que la personne qui peut reprendre, qui peut bien reprendre, c'est le roi lui-même. Parce que le quelques fois que nous avons eu à aborder le sujet, il m'a dit que... Il est le fondateur. Il est le fondateur de EDPC et il a travaillé avec Aïjo et il continue avec son ami. Et je tiens à rappeler ici que quand ils sont revenus de France, il a travaillé avec lui dans le même bureau. Donc c'est pour ça que cette amitié est restée. Et c'est pourtant quand il est devenu roi, c'est en ce moment-là qu'il a démissionné, puisqu'il n'a jamais démissionné. Il était toujours ministre. Donc, ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire. Je crois que c'est trop pour lui, parce que chez nous, les Bamilékés, nous savons tous que un roi ne peut pas être dans le service administratif et être aussi en train de gérer le royaume. Vous ne voyez pas que ce n'est pas ça qui crée un peu un handicap dans son fonction de sultan? Non, moi, je ne pense pas. À partir du moment où il ne se plaint pas. Alors, donc, à partir du moment où il se plaint, avec ses statuts. Et c'est peut-être ces statuts-là qui lui donnent peut-être un peu de pouvoir. Je me rappelle, il y a eu des gens qui ont souvent dit que
Le roi avait demandé qu'on ne donne pas, on ne nomme pas telle personne, telle personne. Le roi peut demander, on peut, le président de la République hein, peut donner le nom, de dire, mais voilà, moi, je veux que tu me donnes le nom des ministres pour nommer. Il donne le nom, et puis arrivé à la présidence, on change. Nous, on a connu ça, on connaît ça. Et nous, on reçoit, je ne peux pas me mettre à dévoiler certaines confidences. On reçoit souvent des courriers où les gens écrivent contre le sultan au palais, à la présidence. Et ces personnes, quand ils écrivent, le lendemain, on nous retourne ça au palais. Donc, nous, on est au courant, on a fait beaucoup de choses. Bon, et je voulais ici profiter pour dire que le problème de séparer à deux temps, à deux têtes, seulement lapsus, de deux têtes, n'est pas synonyme de trahison. C'est comme on a ça chez les Bafans, chez les Baganté, chez les Boulous, chez un peu partout. Ça n'a rien à voir. Donc, on a tendance à traduire ça autrement. Plus grand prince. Hein? Pas France, la panthère qu'on utilise plus. De quoi? Panthère. Voilà. Vous voyez que donc chez mes nos frères, chez nos soeurs, ils ont la même chose. Donc, moi, j'ai une question qu'on m'a envoyée tout à l'heure, où on me pose la question de savoir pourquoi. Envoyer en privé. On va d'abord finir avec ceux qui sont pressés pour appeler là. Parce qu'il y a une dame là qui a beaucoup appelé. Donc, on va lui faire cet honneur-là. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame, bienvenue à l'émission Regard sur le monde. Merci. Donc, Bonsoir l'antenne est à Prince. vous. J'ai deux, trois petites choses qui me tiennent à cœur, dont j'aimerais que le prince m'éclaircisse là-dessus et m'apporte son point de vue et son avis surtout. Bonsoir Prince. Merci beaucoup, ma sœur. Vous allez bien? Très bien, merci et vous-même. Ça va, ça va, ça va. Alors, je vous appelle avec beaucoup d'amertume. En même temps, je réside à Paris. Je vous ai entendu longuement parler par rapport à ce que vous faites pour développer le palais, enfin la ville de Fouman, qui est une partie géographique du Cameroun. Donc l'investissement du Cameroun, ça m'a touché et ça m'a plu tout ce que vous avez dit. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, sommes un peu dans la même lancée, le souci de développer notre pays Oui. et le continent africain. Donc malheureusement, j'ai été approchée par un certain, j'ai envie de dire élite, hein, parce que un international que tout le monde connaît bien, qui m'a proposé un certain deal. Je vais pas rentrer dans trop de détails, sinon ça va être trop long. Si je vous fais part de cela, c'est parce que le peuple Bamoun est de très près concerné, ainsi que l'image ou le roi Bamoun, parce que finalement, je me dis, c'est l'image du roi Bamoun qui va être salie. Je félicite d'abord ma sœur Karine, qui a des invités de votre calibre et qui nous permet de Merci. pouvoir régler ce genre de questions en direct avec des concernés, parce que après, ça fait trop de bruit. On dit souvent chez nous, chez les Bantous, le linge sale se lave en famille. C'est pour ça à vous directement, ça concerne, et ça concerne le peuple Bamoun, et ça concerne le Cameroun et l'Afrique tout. Bref, j'en viens. C'est-à-dire, j'ai été approchée par un certain international. Bon, je reste là-dessus parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas autre chose qui me dit que ce n'est pas lui. Qu'il s'agissait d'un patrimoine qui venait du village Tikar, dans le but de pouvoir
faire un deal pour construire les écoles. Il a voulu m'associer à cela parce qu'il a trouvé que j'étais dans une démarche où j'apportais de l'aide au peuple africain, même des personnes que je ne connais pas. Je suis touchée par ce que nous traversons, c'est-à-dire des personnes qui meurent dans la mer. Et là, maintenant, il me dit, il me propose cette affaire. Il me met en contact avec un certain monsieur Njapon Bernard. Je cite ce nom-là parce que c'est un... Il m'a dit que c'est un notable du village Tika en Gambie. L'histoire était qu'il y avait un patrimoine qui devait être vendu. Il me met en contact aussi avec son ami qui était le client. Le notable était celui qui représentait la transaction, qui était la voix du village. Bon, moi, je marche là-dedans. Il me dit, bon, lui, il n'a pas de... Il peut pas faire... Il n'a pas de temps pour faire cette démarche. Je dis, bah, merci. Et puis, je me suis sentie quand même flattée que de pouvoir réaliser quelque chose pour des Camerounais. Et même si c'est des Bamoun, ce sont des Camerounais avant tout. Voilà que j'embarque pas mal de personnes dans l'histoire. On débourse les sous. Et on se rend compte que c'était une supercherie. Avec pas mal de personnes de Bamoun qui étaient trempées jusqu'aux os, qui m'ont envoyé des messages de menaces de mort, après que j'ai découvert la supercherie, puisqu'on a quand même été escroqué à hauteur de pratiquement 46 000 euros. Wow. Voilà, moi je parle en termes d'arnaque. Donc j'ai les preuves matérielles, puisque j'ai le faux patrimoine. J'ai les preuves financières, dont j'ai la traçabilité de ce qu'ils m'ont estorqué, mes amis et moi, parce qu'ils m'ont estorqué d'ici, en France. J'ai essayé de toucher les gens au Cameroun, au Sénégal, et ici en France même, dont j'ai vanté vraiment notre patrimoine, parce que j'appelle le patrimoine du peuple Bamoun le patrimoine des Camerounais et le patrimoine des enfants, de toute personne qui se sentiront Camerounais. Donc, non seulement je me suis fait humilié parce que voilà, à travers toutes ces protagonistes, je me suis sentie ridicule parce que finalement on s'est fait extorquer de l'argent, on s'est vu menacer, on s'est vu proférer des menaces de mort, on s'est vu promettre d'utiliser mon identité pour pouvoir engendrer d'autres escroqueries à travers le monde. J'ai des preuves aussi vidéo où l'on essaye de, je ne sais pas, d'imiter le chef pour me parler. Le futon. J'ai voulu. Allô? Non, la personne imitait le sultan. Le sultan pour me parler en habillement et au téléphone étant au palais. Donc, Aya. Tout ça, et c'est pas. Je peux vous l'envoyer, je détiens toutes ces preuves matérielles. Je suis non seulement indignée, mais très choquée, très découragée, très frustrée, parce qu'ils m'ont mise en danger de mort dans un pays, ils m'ont fait déplacer de la France jusqu'au Sénégal. Ils m'ont mise en danger de mort dans un pays que je ne connaissais pas, face aux personnes qui m'ont fait confiance, parce que pour que les gens vous suivent dans un projet, surtout un projet où il s'agit d'investir, il faut que ces personnes connaissent votre moralité. Si on ne vous connaît pas de bonne moralité, il n'y a personne qui peut, d'une simple publicité, vous suivre dans un projet que j'appelle maintenant fallacieux. Voilà, donc ma question est, dans ce cas, puisqu'ils sont dans le 17e, ces personnes qui m'appellent jusqu'à maintenant pour me menacer, ils sont dans le 17e, ils m'ont donné des indices, on a trouvé des traces sur Internet. Et je suis même très surprise de voir que ce sont des personnes qui peuvent être connues du grand public. Ils sont dans des réseaux en Suisse, ils sont dans des réseaux au Sénégal, au Gabon, ils sont dans des réseaux en France, en Belgique, vraiment
pas quel pays vous citez et quel pays laissez. Et ma question est, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire dans ce cas pour des personnes comme moi? Et en passant, je fais un appel à témoin à toute personne qui est dans ce cas, qui a été de près ou de loin touchée par ce genre d'escroquerie, d'approcher Madame Nona, parce que nous faisons ce qu'on appelle un collectif de témoins. Nous faisons un recueil de témoins pour pouvoir porter l'affaire plus loin. Il faut que ça cesse. Il n'y a que le Cameroun qui est indexé dans ce bon. Il n'y a pas que le Cameroun, mais que les jeunes Camerounais s'amusent à extorquer de l'argent à personnes de bonne foi et de bonne qualité qui veulent développer le Cameroun, moi, je suis atterrée, ça m'exaspère. Je ne sais pas à quel sens me vouer parce que maintenant, les personnes à qui j'ai pris de l'argent ils me croient, mais sans me croire. C'est comme si j'étais un peu complice, en fait, de cette manœuvre. Et face à ce genre de banditisme de bas étage, puisque vous parlez de la mendicité tout à l'heure, quand ils prennent cet argent au nom des infrastructures qu'ils veulent développer, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils font toujours. Et moi, qui ai mis des personnes déjà qui étaient déjà en précarité, dans la pire misère, parce que j'avais ça, mis des gens dans la précarité et les enfants. J'ai pas un salaire qui me permet de rembourser 46 000 euros aux personnes à qui j'ai pris de l'argent. Hein? Voilà, moi je ne peux que dans ma petite démarche, avec ma petite personne, par exemple, devant un journal comme Mediapart, parce que finalement, on se dit que tu es président de la République, un journal comme Mediapart, tu ne peux pas, tu n'es pas un touchable, tu touches tout le monde. C'est parce que j'ai cru entendre que le roi sera sur ce plateau. J'aimerais que. Porter aussi ma plainte parce que j'appelle ça finalement une plainte devant le roi. Voilà. Donc, je sais pas. Ok. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Quoi qui demande à porter plainte à les preuves. Oui, si je me souviens, cette dame m'a envoyé toutes les preuves et j'ai vu l'endroit là où il y a l'image du roi. Je l'ai vu aujourd'hui avant l'émission. J'étais vraiment scandalisée. D'ailleurs, je ne croyais même pas. Et puis, je lui ai dit, je suis en train de me préparer pour l'émission. Genre, je ne savais même pas qu'elle devait appeler. Et ce que je vais lui dire, je pense qu'elle est tombée sur la bonne personne, qui est le grand prince, qui pourra déjà interpeller le roi dans cette affaire. Parce que dans cette affaire, avec toutes les preuves que j'ai reçues, il y a des blancs, des fils des blancs pétroliers qui ont été arnaqués dans cette affaire. Et c'est une histoire qui me fait peur parce que j'ai vu des personnalités européennes qui ont été arnaquées dans cette affaire. Et cette pauvre dame, c'est une pauvre Camerounaise. Même si elle est née ou elle a grandi en France, elle est Camerounaise. Et on lui a arnaqué 46 000 euros avec le nom du sultan. Madame Nona, piste de ces personnes, c'est parce que les personnes soi-disant qui étaient la personne soi-disant qui était l'acheteur, j'ai eu la présence d'esprit de rentrer en contact avec toutes ces personnes et ce sont des personnes qui s'avèrent être victimes. Vous parlez de ce monsieur qui est fils du pétrolier qui n'a jamais voulu être prononcé dans cette démarche en public parce que finalement c'est une honte. Vous savez, dans une certaine élite, il y a des choses qu'on fait et qu'on préfère traiter en famille ou à l'ombre parce que ça c'est une honte. Je me suis fait arnaquer par qui? 500 000 euros, monsieur le prince. Et il me nargue. Ils m'ont dit dans des messages que j'étais finalement qu'une gibier. Vous vous rendez compte? C'est choquant que je ne suis pas la première personne qu'ils préfèrent que je laisse tomber. Mais non, moi, je ne laisserai pas tomber parce que j'ai traîné des personnes. Il y a un qui habite dans le Colorado avec qui je suis en contact, que j'irai chez lui
Donc, il faut que ces personnes sachent que qu'ils aient des numéros de téléphone offshore, comme on appelle, qu'ils achètent sur Internet. Internet. On peut les retrouver, on peut les retracer. Zuckerberg avait Internet. Ce que tu utilises, les hackers peuvent te retrouver et c'est ce que je vais faire. Ils ont dit qu'ils vont me tuer. Bah, avant de me tuer, je serai la première personne qui aurait dénoncé le phénomène parce qu'il faut que les gens commencent à dénoncer. Blanc, noir, camerounais ou personne d'ailleurs. Il faut que vous commencez à dénoncer ces escroqueries organisées en bande. Ils ont dit qu'ils utiliseront mon identité pour continuer l'arnaque. Vous vous rendez compte, ça veut dire que je peux rentrer dans un pays où je ne me reproche de rien et je me vois arnaquer parce que quelqu'un aurait utilisé mon image pour aller escroquer des personnes. Donc, il faut que vous dénoncez et je fais un appel à témoins et ces personnes seront punies. N'ayez pas peur des intimidations. Nous sommes dans un monde développé. Bien sûr que c'est peut-être une mafia, mais moi ce que je demande au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils restituent l'argent des personnes qui sont victimes autour de moi parce que j'étais partie dans une très bonne intention, celle de pouvoir donner de quoi se soigner à mes semblables, à ces pauvres victimes dont on utilise les noms pour se faire de l'argent qui ne sert finalement à rien. Parce qu'il y en a un qui m'a rappelé en me disant « Madame, c'est la situation du Cameroun qui fait que vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Quelle indignation, quelle honte, quelle humiliation. Déjà devant les Blancs, moi qui suis... Quand je dis blanc, ce n'est pas une insulte ou un propos à caractère raciste. Moi qui suis en train de défendre notre image, bête et ongle, en disant non, l'Africain n'est pas comme si, l'Africain peut penser, l'Africain peut raisonner, l'Africain peut construire, l'Africain est capable d'aider. Eh bien, je me suis retrouvée face à quoi? Face à des individus qui ont donné raison et qui ont bafoué le combat pour lequel les dignes personnes mènent. Parce que, oui, c'est digne de mener une cause perdue, comme pour ces pauvres personnes qui meurent dans la mer, comme pour ces personnes qui n'ont pas d'hôpitaux dans nos pays, comme pour ces personnes qui n'ont pas d'école, comme pour ces personnes qui n'ont pas d'eau potable, comme pour ces personnes qui n'ont rien à manger. C'est dû ça. C'est le cas de dire. Le prince accompli, c'est un problème vraiment. Vous plonge dans la pure misère et se moque de vous par la suite et vous intimide par la suite et vous promet de la mort par la suite et vous promet de la mort spirituelle, physique et agression par la suite. Je vous parle maintenant, j'emploie un ton très coléreuse parce que là maintenant, parce que rien que d'y penser, ce que j'ai traversé, oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère et je ne m'arrêterai pas là. Je ne m'arrêterai pas ici. Je ne m'arrêterai pas à ce niveau. Si, ou alors, ils remboursent toutes ces personnes qui sont victimes. Je n'ai pas envie d'être celle qui va salir l'image du roi ou de sortir un scandale à l'image du roi ou à l'image d'un international parce qu'on a vite fait de dire oui, elle cherche à être connue. Non, parce que personne ne peut vivre ce que moi je suis en train de vivre en ce moment. Et heureusement que les personnes qui ont déboursé me font confiance et connaissent ma moralité. S'ils ne le savaient pas, ma moralité, ce n'est pas ce que l'État sénégalais aurait pu m'enfermer pour escroquerie et faux, usage de faux. C'est un douanier sénégalais qui m'a aidé à faire sortir ce faux patrimoine parce que je lui ai expliqué les choses avec une cohérence et avec une telle conviction. Du combat que je menais. Et il a trouvé que c'était noble. Ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont dit, après tout, c'est l'Afrique qui gagne. Qu'est-ce que je récolte derrière? Je vous appelle à dénoncer. Je vous appelle vraiment ceux qui sont victimes de près ou de loin, avec des preuves matérielles, avec des preuves, je vous appelle à la dénonciation. Approchez-vous de Madame Nona.
je vais faire exploser cette affaire si jamais je n'obtiens pas gain de cause à l'amiable. Voilà ce que je peux dire. Et maintenant, je viens écouter le prince. Excusez-moi de m'être emporté. C'est bon. Ok. Ah oui, mais vraiment, c'est un témoignage un peu poignant et je dirais plutôt désolant. C'est le cas de le dire. J'ai noté tout ce qu'elle a vécu et avec tout ce que ça comporte. Vous savez, Karine, je vais te surprendre. Des plaintes comme ça, on a ça toujours au palais. Il y a même une sortie du diété de la culture qui a fait une sortie il n'y a pas très longtemps où l'Interpol est venu au palais. Et avec les gens qui ont utilisé le nom du roi pour se faire de l'argent, avec des faux cadentés, des papiers falsifiés et autres. Ah. Ça veut dire que c'était déjà grave, en fait. Donc, c'est un truc que... Ça, c'est qu'elle a dit, une vie, là, moi, je connais. Ça, c'est des trucs qu'on a au palais. Mais j'ai eu à dire au roi, une fois d'arrêter, qu'on essaye de trouver une solution pour qu'on interpelle ces personnes-là. Mais bon, vous savez, comme un bon père ne laisse pas qu'on arrête ses enfants. Donc, je crois que c'est vrai. Mais ça, c'est des choses que nous vivons, nous avons vécues. Nous avons. Mais c'est effrayant ce qu'elle me raconte. C'est vraiment. C'est horrible, même. Parce qu'elle a même fallu se soucier. Hein. Oui, parce que 46 000 euros, quand même, c'est quand même beaucoup. Hein? C'est un clan bien, c'est un groupe bien organisé. Ils sont basés un peu partout dans le monde. Mmh. Et ce qui me surprend, ici même aux États-Unis. Western Union est en train de les traquer aussi parce que Western Union peut retracer, même si c'est des fausses pièces d'identité, ils seront obligés, soit ils vont pas fabriquer des fausses et des fausses et des fausses pièces d'identité. J'appelle à toute personne qui est victime de dénoncer avec les noms et surtout contacter Western Union quand vous sentez que c'est une arnaque. Comme ça, on va les traquer. Ils se sont moqués de moi en disant que je peux même aller chez Interpol. Je ne trouverai qu'une porte fermée, mais qui ne s'en fait pas. Les choses sont en marche. Mais maintenant, vous, grand prince, qu'est-ce que vous pensez que dans ma situation, moi, parce que il y a des situations, mais là, je suis confrontée à ça avec des photos, avec plein de choses. Qu'est-ce que je dois faire? À qui est-ce que je dois m'adresser? Comment je peux résoudre cela? Oui, bon, mais la situation, comme c'est comme ça, vous êtes en France, je suppose qu'elle est en France, n'est-ce pas? Ouais. Elle est en France. Eh bien, mais c'est vraiment dommage, parce que le sultan était à Paris il y a 3 mois. Donc, vraiment, si on avait eu l'occasion, j'allais vous demander de venir à l'hôtel voir le sultan et lui poser des problèmes, puisque il a accordé quand même l'audience à beaucoup de gens qui venaient aussi se plaindre. Il y a eu des situations où il y a eu des gens qui sont partis passer des vacances au Cameroun. On les a arrêtés parce qu'apparemment, ils auraient manifesté en France, aux États-Unis et bien d'autres. Et machin et tout. Donc, c'est des choses comme ça qu'il. Bon, moi, comme je ne suis pas en France, c'est vraiment dommage. Bon, mais quand, est-ce qu'elle peut t'envoyer tous ces dossiers-là pour que tu me transmettes? Hein? Jusqu'aux vidéos. D'accord. Donc, tu m'envoies. Je vais envoyer ça au palais. Et puis maintenant, parce qu'il y a tout le temps, il y a l'Interpol qui vient chez nous au palais. Tout le temps. Mais parfois, on ne connaît même pas les gens. Donc, on ne les connaît pas. Donc, l'Interpol vient de France. Hein. Il vient souvent au palais avec les cartes dentées, les machins et tout, falsifiés. Oui, le problème, c'est que dans l'affaire, il y a l'image de deux personnalités. L'intonation. Mais c'est ça que je dis, que dès que tu as le machin, tu m'envoies et moi, je vais envoyer au service, au commissaire de... Au WhatsApp de l'émission épinglé là. Il faut appeler là. Hein?
Je dis, il y a mon tonton qui dit qu'il veut appeler avant que je dise que le numéro WhatsApp de l'émission est là. Ah, ok. Donc, Donc. moi, ce que je vais faire, je vais, donc, dès que j'ai le dossier, on va envoyer ça au ministre délégué de la présidence, et puis on verra. S'il faut qu'elle se déplace pour venir au Cameroun, elle peut venir au Cameroun témoigner. Mais vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait froid au dos. Ça, c'est pour. Moi, j'ai du mal à voir une soeur comme ça qui. En principe, Quand on l'entend parler, elle est quand même une femme honnête. Elle n'est pas. Ça fait mal. Hein? attends, s'il te plaît, ma soeur. Que je dépense de l'argent pour venir, alors que cet argent, j'aurais pu compenser un petit trou. Je ne rejette pas votre proposition. Hein. C'est très noble. Il faut d'abord que je puisse m'en sortir et trouver réparation face aux victimes avant de faire ce témoignage. Je ne suis pas en train de faire ma tête de comme on dit, non, mais je suis dans une situation très peu confortable en ce moment, très peu confortable, parce que vous vous rendez compte que pour une personne, même si vous avez 3 000 euros de salaire, même si vous avez 4 000 euros de salaire, et que des personnes qui sont dans la précarité, je préfère devoir à un État que de devoir à des personnes physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un État, vous pouvez vous arranger, mais avec des personnes physiques, les besoins sont toujours imminents. Vu le caractère de l'affaire, ils ne comprennent rien, ils ne veulent rien comprendre. Donc, je comprends, grand prince, je comprends de venir au palais, de rencontrer, mais je pense que déjà, vous, en tant que fils du roi, vous êtes à même capable de faire déjà avec des preuves que vous aurez en main, de faire des démarches auprès du roi par rapport à ce que vous détiendrez. Et il serait déjà au parfum de l'affaire. Vous pouvez dire ce que lui, il a répondu, parce que c'est une grande personnalité quand même, et que ce sont des affaires qui doivent le préoccuper, puisque vous dites que c'est pas, je ne suis pas la première personne et que c'est récurrent. Donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment qu'il un point fort sur la table pour que ça puisse s'arrêter, se calmer. Donc voilà ce que j'attends. Venir au Cameroun pour m'expliquer auprès du roi, c'est pas ça qui va arranger. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire vous pouvez venir voir le ministre délégué de la présidence qui s'occupe de ce cas-là, parce que c'est M. Mbagangele qui est chargé de ce genre de problème. On peut vous mettre directement, vous venez au Cameroun, on peut vous mettre directement en contact avec lui, et il va vous recevoir à Yaoundé. Vous n'avez pas besoin de venir au palais, parce que c'est pas le palais qui juge. Il y a des gens faits pour ça. Et maintenant, si, avec les preuves que vous avez, et tout ça là, et si on peut identifier ces personnes-là, ils seront interpellés. Ça, c'est très simple. Mon Ça, c'est même pas. Oui, ça, mais on peut, ce que je peux faire, c'est qu'on peut utiliser d'autres moyens pour vous orienter à rencontrer le ministre. Média, Attends. jusqu'au service des renseignements, Tu peux reprendre, s'il te plaît, parce que le prince ne t'écoutait pas. le fils du pétrolier dont je vais taire le nom Oui, a il été doit vous partir. rencontrer, même le président de la République, même le roi, même. Enfin, toutes les administrations, même les services des renseignements, je sais pas quoi, du Cameroun, même Interpol du Cameroun. C'est vrai, il y a eu une descente. Je parle des choses dont j'ai des preuves aussi. Il y a eu une descente à Bamoun où on a ramassé un certain nombre de personnes. Et il y a un parmi qui me narguait en disant, j'ai fait 17 ans de prison. La prison, je m'en fous. Voilà ce qu'il m'a dit. La prison, je m'en fous. Il me narguait en disant cela. Il m'affirmait des choses qu'il ne savait pas, que le fils du pétrolier me l'a dit. Donc, ce qui faisait que ça concordait exactement. Donc, c'est au niveau de l'Europe que déjà, d'abord, un,
Si je ne trouve pas préjudice et réparation, je vais commencer à frapper. Ils sont dans le 17e, ils m'entendent. Ils sont pleins partout là. Il y en a des indiques de cet international qui sont venus jusqu'en bas de chez moi. On les a vus. Donc, il faut qu'ils sachent que, comme ils me surveillent, on les surveille aussi. Voilà. Donc, moi, maintenant, je veux quelque chose, là, un arrangement à l'amiable. Bon, venir rencontrer le délégué pour envoyer, pour faire... Ok, je suis d'accord. Le délégué, il a mis le dossier devant lui. Je ne dis pas, je ne crache pas dessus. Je ne mets pas en doute... sa performance, sa compétence. La compétence ou... Bah, c'est comme en France. Il a le rang de ministre de l'Intérieur en France. Il a le rang de ministre de l'Intérieur en France. Donc, c'est à peu près dans. Il a le rang du ministre de l'Intérieur en France. C'est que c'est de lui que je parle. Et que voilà. Lui, il a la même mise sur la police et il peut prendre une décision. Le problème de la dame, c'est quoi? Le problème de la dame, c'est qu'elle est tellement menacée. Et en France, elle est un peu plus sécurisée. Et elle s'est dit, en sortant de la France et aller au Cameroun, c'est très dangereux pour elle. C'est d'abord ça. J'ai besoin que ce soit éclaté avant d'aller. Que ça soit éclaté, pour qu'elle soit protégée. Que l'affaire soit éclatée et connue du grand. Moi, j'ai. Enfin, il y a le journal Mediapart. Hein. Ça, même si vous êtes président, il peut savoir quoi et où. Hein. Donc, c'est ça mon problème. Ou alors, qu'il passe même par n'importe qui, qu'il a le préjudice, à ce moment-là, oui, on laisse tomber le dossier. Voilà. Karine, donc tu prends le truc, tu m'envoies et comme ça on va, je vais voir et je vais faire quelques coups de fil. Ton proche collaborateur qui est le ministre Banga, c'est Bangangé, non, le ministre Bangangé aussi. Je vais passer quelques coups de fil et puis. Mon sensible est très grave parce que dans la liste. Il y a des personnalités européennes dans cette affaire. De cet anac. Ah bon? Ouais. Dans cet anac, c'est grave. C'est pas comme elle explique là. En fait, moi, puisque moi, j'ai parlé avec elle personnellement, j'en sais plus qu'elle ne peut vous exposer. Elle ne peut expliquer là en public. Parce que si elle se met à expliquer, on fera une émission que spécialement pour elle. Ok, d'accord, je vois. Il y a ce qui me fait mal, c'est qu'il y a le nom d'une personnalité sportive camerounaise qui est à l'intérieur. Il faut qu'elle terse le nom, si, c'est là où ça commence. Et ce qui fait plus mal à la dame, c'est qu'elle contacte sa famille bloque la dame dans tous les contacts. WhatsApp, direct, ils ont bloqué la dame. Et c'est ça qui commence à frustrer la dame pour dire, mais... Si ce n'est pas lui, pourquoi il me bloque? Parce que comme elle t'explique, la grand prince, tu es sidéré, tu l'écoutes quand même et tu essaies de faire. La chose la plus importante, c'est que dès que tu as tes preuves, tu vas expliquer à ton père. Mais cette famille a plutôt envoyé la dame se faire balader. Pourtant, elle a des preuves. Et l'image de l'international est en jeu avec l'image du sultan. Parce que moi, j'ai vu les vidéos, j'étais dépassée. Oui, mais non, mais dans ce cas précis, bon, c'est vrai que le sultan n'a rien à voir avec ça, mais seulement on peut. Contacter des gens qu'il faut pour essayer de voir comment trouver une solution, même peut-être au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris. Bon, parce que l'ambassade du Cameroun à Paris, il y a un service. Il y a des policiers qui travaillent pour l'ambassade en France. Patience sur cette affaire. Le problème, c'est que le fils du pétrolier, je vous dis bien, le fils du pétrolier européen, a rencontré le président de la République, a rencontré certains de nos ministres. Dans cette affaire, ils n'ont pas pu résoudre. Mais le problème, c'est que pourquoi ils ne disent pas au sultan que voilà un problème qui se passe et ton image est là. Donc, le problème de la dame, c'est informer le sultan qu'il y a un trafic d'escroquerie, de fémania grave à l'international. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Dès que tu as le dossier, tu essaies de m'envoyer et je vais... Sur cette affaire.
Parce que son image, ce n'est pas seulement elle. Je vous dis bien, il y a le fils du pétrolier. C'est le fils d'un milliardaire européen. Il y a des Américains. Je dis, ce n'est pas un sujet. C'est quelque chose que si la dame doit vous mettre à expliquer, on fera toute une émission pour elle. C'est un sujet qu'elle m'a expliqué. J'ai vu le dossier. Et des personnes qui ont été touchées dans cette affaire, c'est quand même des célébrités. Et c'est l'image du roi avec l'international. Pourquoi le chef d'État, le fils de ce pétrolier, a rencontré le chef d'État pour ce problème? Il a rencontré certains hommes ministres pour ce problème. Pourquoi il n'informe pas le roi? Et jusqu'aujourd'hui, ça tourne, ça tourne. Pourquoi il n'informe pas le roi, le sultan, que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, un nana? Non, mais là, maintenant comme je suis au courant, je te promets que dès que j'ai le dossier, bien, dans les prochains jours qui suivent, le roi sera informé. Là, je peux vous promettre. C'est la première préoccupation. Ma soeur, est-ce que tu... Oui, je l'ai entendu. Okay. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Merci. Pareil à vous. Merci, merci, soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Du courage. Du courage. Ah, le grand prince. Merci d'être passé à cette émission. Parce que cette affaire-ci, c'est de trop, en fait. Je vais t'envoyer tout ça. Et je pense que ça sera même mieux, je te mets en contact même avec la dame. Et que très posément, tu as du temps, parce qu'il faut au moins une heure de temps pour que tu t'expliques le commencement de cette affaire. Je vois que ça t'explique ça. Attends, tu vas appeler même Equinox pour une émission spéciale pour toi. Tu vas même brancher, comme je te connais, tu vas même brancher directement une caméra sur les réseaux sociaux, parce que le problème est extrêmement grave pour qu'on en pense. Parce que dans cette affaire, elle n'est pas la seule qui a été arnaquée. Elle a que presque 50 000 euros. Mais je te dis bien, il y a des fils des pétroliers européens, des milliardaires européens que tu as arnaqués. Et ils n'utilisent que deux noms. Le sultan et l'international, que je préfère qu'elle ne prononce pas de nom. Non, non, il n'y a pas de... Donc, dès que j'ai le dossier, je vais lire le patient et tout. Et je peux te promettre que... d'ici avant la fin de la semaine, le palais aura, il va prendre note, il va, parce que vous savez, beaucoup de gens salient le nom du roi, parfois parfois le roi n'est pas au courant. Ce qui me surprend, c'est que tu vois sur la vidéo comment la personne parle. Tu vois le roi qui parle, tu dis que je l'appelle à me dépasser. Non, le roi ne peut pas faire. Non, moi je peux témoigner, le roi ne peut pas faire des choses louches. En tout cas, merci grand prince d'avoir honoré cette invitation. Ça va quand même peut-être sauver plusieurs vies dans cette affaire. Et je suis fière de la dame, parce qu'elle a décidé de commencer là où il faut. Il faut que le roi soit au courant de ça, parce que le chef des... Non, je peux te promettre, dit Laura. Je te dis que dès que j'ai le dossier, eh ben, je forme ça au palais. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, il va, et je vais suivre moi personnellement ces dossiers. Je vais suivre ça. Prince. Ça, c'est quand même un prince, un grand prince. Vraiment, la soeur a mis leur téléphone. Les personnes se sont vraiment découragées. Il y a un monsieur qui a appelé cette fois. Attendez. Attends, je vais appeler la personne. Si cette émission peut sauver des vies, ça serait une très belle chose. Enfin, prince, elle a le fils du roi. Waouh, mais c'est très triste. Hein? Et parce que là. Oui, parce que moi, en tant que défenseur de la tradition de ma famille, je n'aimerais pas que le nom du roi soit trimballé dans la boue. Et des choses comme ça, là, c'est des choses que... Quand tu as des choses comme ça, là, dès que j'ai ça, là, je publie ça dans tous les médias. Parce que le roi est... D'abord, je vais lire et je vais chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et puis, Mona, je vais essayer d'expliquer ça. Et puis, on verra. Mais je vais suivre quand même ces dossiers. Ouais, c'est plus grave que tu n'en penses. Je te dis qu'il y a des fils des milliardaires dans cette affaire.
Là, ça, c'est un réseau, alors, si je comprends bien. Les fils de Miladé qui ont été arnaqués par ce groupe de personnes qui utilisent l'image de l'international et du roi. Ne sais pas si tu comprends maintenant. Ils ont Je comprends, mais là, je comprends. fils Je comprends, mais je comprends, je comprends, je comprends. Le fils du pétrolier a même rencontré le président de la République et certains de nos ministres. Wow. Et pourtant, leur souhait, c'était d'abord d'informer le roi. Je ne sais pas si tu comprends les problèmes. C'est que le roi doit être au courant de cette affaire, que son image est utilisée à l'international dans la NAC. Pour la petite histoire, il n'y a pas très longtemps, le roi était obligé, le sultan était obligé de faire une lettre dans toutes les ambassades pour dire qu'il ne recommande plus les gens pour les visas. Pourquoi? Parce qu'on utilisait sa signature, son nom, pour aller dire que le roi a demandé qu'on donne le visa à tel machin et tout. Et les gens faisaient ça dans le fonds de commerce. Donc ça, c'est des trucs que nous on vit tous les jours et le roi est fatigué. Et il a envoyé une lettre dans toutes les ambassades. Qu'il ne recommande plus des gens. Donc maintenant, quand tu viens maintenant à l'ambassade pour dire que c'est le roi qui t'a envoyé, on t'envoie balader. Et c'est Le pour ça. grand prince, il y a Eddie NK qui dit Fleur Karinouna, s'il te plaît, dis au grand prince qu'il a une très belle montre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Karinouna, impossible de vous joindre. Non, il y avait une dame à l'appel au téléphone, mais maintenant vous pouvez appeler. On va prendre un dernier appel. Il y avait une dame au téléphone, son problème est excessivement grave. Elle voulait à tout prix parler au prince. Et Ouais, c'est vrai. on ne pouvait pas la couper. Ouais. On veut, ça serait l'envoyer balader. C'est Non, ça, c'est vrai. le monde. Sauver des vies. Voilà. Donc, il faut essayer d'appeler. Bon, grand prince, avant ça, nous allons continuer par nos dernières. Nous sommes presque à terme de l'émission. Pour ceux qui ne connaissaient pas le grand prince, je pense que vous connaissez le grand prince. C'est un homme qui fait dans l'humanité et qui est apolitique. D'ailleurs, il n'est dans aucun parti politique. Voilà. Voilà, ça c'est bien de préciser ça, parce que je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire à mon père, il y a que je fais un jeu, et monsieur Jean Couété, que ma sortie médiatique la dernière fois, où j'étais un peu très dur à leur égard, eh bien, je dois je dis ici que. Monsieur Ndiaye, je fais de ce bon papa que je connais très bien depuis mon enfance, qui est toujours aimé et il est toujours constamment au palais. Et je rappelle ici que c'est un notable de la cour et monsieur Kouete également, et qui est également un membre de la famille. Et je n'étais pas, je tiens ici à dire que c'était pas pour les vexer, mais c'était parce que j'étais tellement. Dans tous mes états, que bon, personne ne voulait prendre séance habitée parce qu'il y avait les insultes et que je ne pouvais pas tolérer. Et comme vous le savez, chez nous à Foumbène, mon cousin Adamo Danvers est le roi et c'est des deux hommes politiques. Quand mon cousin s'attaque au roi, moi je ne m'intéresse pas parce que c'est des attaques politiques. Mais quand c'est les attaques où on s'attaque au roi, en ce moment-là, je réagis. Donc, je ne me suis jamais intéressé ou répondre à cette attaque-là, parce que c'est des attaques politiques. Dans la vie, quand on a ces casquettes d'hommes politiques, eh bien, on doit accepter les attaques politiques. Donc, c'est pour ça que je me suis jamais attaqué. Je rappelle ici que, contrairement à ce que les gens ont cru, chaque fois que le roi part, même à profession pour ses meetings politiques, je ne me suis jamais mêlé. Je ne me suis jamais mêlé, je ne me suis jamais intéressé. Mais cette fois-ci, je me suis intéressé parce que j'étais dans le secret et que je tenais à présenter ces documents pour prouver que j'avais raison. Et je croyais, comme vous le savez, les élections me donnent raison. Auditeur en ligne, bonsoir. J'espère que Monsieur Niazifendi et Monsieur Kouet ont compris le message du grand prince. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'émission Regard sur le monde. Oui, moi, je suis très content pour
Mais attends, est-ce qu'il fait du bon boulot? C'est bien. Merci. Et vous amener les gens qu'on voit souvent à la télé. Mm-hmm. Les gens, c'est bien. Les gens qu'on voit souvent à la télé. Qu'on voit souvent à la télé. Le président, on l'a jamais vu en face. Ouais. Plus de 30 ans, plus de 30 ans. J'ai plus de 30 ans, mais je ne l'ai jamais vu. Et ça, j'ai toujours vu à la télé. Ok. Non, mais essayez de nous rappeler les gens qu'on voyait à la télé. Okay. On va amener même le président pour bien ici. Voilà. Ils ne comprennent pas que chacun a son don. Tu peux aller faire n'importe quelle école de journalisme, mais tu n'as pas le don. Et ça, c'est notre débat. Donc, ouais. Ne prêtez pas attention à ça. Quoi. Donc, merci, frère. Merci, grand frère. Merci, frère. Ce qui est le plus important, le reste, on ne gère pas. Je vais juste poser quelques questions. Peut-être deux questions au prince, si tu me permets. Vas-y, mais bientôt okay. je dois récupérer ma fille. La première, si je comprends bien, parlons de personne à personne, c'est-à-dire enlevant les titres. Ouais. Ibrahim Obodia et Obodia se connaissent plus, d'accord? Yes. C'est une très bonne chose. Mm-hmm. C'est des amis. Mais en tant qu'ami de longue époque, aujourd'hui, est-ce que le prince qui est conseillé d'Ibrahim Bombodia ne porte pas le message de la jeunesse? La jeunesse aujourd'hui demande une seule chose. Pour des jeunes de notre génération qui ont le respect pour les aînés, les gens qui ont vécu, vous comprenez? Et je suis que la plupart, même ceux qui manifestent par le mort, on a le même sentiment. On sait ce que c'est que les aînés, les gens qui ont vécu avant. Olivia, il y a le numéro WhatsApp écrit là. Je m'adresse à Olivia. Olivia, le numéro WhatsApp de l'émission est écrit là. Ok, maintenant, je te pense que est-ce que lui qui est le conseiller du roi et le roi qui est le conseiller de Paul Biya, parlons d'individus, laissons les fonctions. Après tant d'années, il ne pense pas qu'il peut conseiller, que le roi peut conseiller à son ami que, ok, tu as fait ce que tu avais à faire. On ne juge pas. Lui qui est jeune, le roi qui est relativement jeune, on ne juge pas les aînés. Mais ce qui n'est pas tant que les jeunes demandent qu'ils passent la main, que le président passe la main, ce n'est pas légitime. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime? Les gens, merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Et je vais répondre là-dessus. Moi, je vais vous référer au discours du roi à Bafoussam il y a 2 ans. Et le roi, il avait bien écrit. C'était clair, bien clair. Il avait dit qu'il appelait. S'il vous plaît. Et c'était un discours qui a créé beaucoup d'enthousiasme dans la diaspora. C'était bien. Mais laissons la démagogie. Il faut les faire. Deuxième chose, parlons du discours. Avant de passer à la deuxième question, parlons du discours. Le président lui a dit, lors de la prestation de serment, je vous ai compris. Mais non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. S'il avait compris, c'est que les gens lui demandent que papa, tu as fait ce que tu avais fait. Pardon, fais en sorte que nous sommes développés notre pays. Parce que la main, est-ce que c'est un... Moi, je me demande, le prince qui est là, est-ce que c'est un crime de demander, nous, à un parent, que papa, pardon, laisse-nous, on continue, tu es fatigué, laisse-nous. Deuxième, aujourd'hui, il sort, il part et tout le reste. Il a tenu un discours dernièrement, lors de sa sortie. Où il disait que non, le roi n'est pas organisé, c'est pas lui l'organisateur. Il s'est moqué de tout le monde. Monsieur le prince, vous êtes un aîné. La jeunesse a mal. La jeunesse du Cameroun a mal. De l'intérieur, nous-mêmes, nous ici, de l'extérieur, on veut que notre pays se développe. Vous qui êtes des nantis, parce que vous êtes de la classe de ceux qui ont les noms. Vous avez les patronymes. Vous êtes les Joya, vous êtes les Tel, vous êtes les X, vous êtes les Y. Et les autres alors? Non. Les autres qui n'ont pas de patronyme, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, c'est tout. Ce que j'ai à demander au prince, n'est-ce pas? Bon, mais c'est une très bonne question. Je vais me faire ce plaisir parce que non seulement le roi a fait un discours déjà dans ce sens. Il y a 3 ans, je crois, il y a 3 ans, à Bafoussam toujours. Bon, après que tout le temps, c'est Bafoussam.
Alors, il avait demandé qu'on laisse, qu'il appelait à ses collègues, tout le monde, de laisser la place à la jeunesse. Et je crois que ce discours, on peut voir ça, on peut lire. Moi, je pense que il y a un problème, au Cameroun. Suivez mon regard, suivez mon regard. Parce qu'il y a d'autres qui veulent appeler là, parce qu'il faut que bientôt j'arrête l'émission. La deuxième, il n'a pas répondu à la deuxième question alors. Mais vas-y, écoutez, pendant que tu vas aller écouter. La deuxième question, c'est que est-ce que le prince qui est né dans, il est né avec une queue en or dans la bouche, parce que les autres qui n'ont pas de patronyme n'ont pas aussi raison de dire au Cameroun qui leur appartient aussi. Est-ce que le prince qui pense que parce qu'il est né sous le patronyme de Joya, de tel, de tel, de tel, de tel, de tel, de tel, et nous alors qui n'avons pas de patronyme. Le prince, nous qui sommes à Babadjou, qui n'avons rien, qui sommes à Mekanga, qui sommes à l'extrême nord, à Kaïlé, libérez-nous le pays, donnez-nous aussi la chance. Donnez-nous la chance, ce pays nous appartient. Vous êtes là, vous êtes là. Bon, ok. Ouais, mon frère, je n'ai pas de problème. Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis né noble, je ne suis pas né riche, et encore moins ma famille. Et donc, faire partie de la famille royale ne veut pas dire qu'on est riche. Et on a peut-être eu quelques privilèges, n'est-ce pas? Mais ce que je peux dire, c'est que. Oh, je vois une belle dame en tenue traditionnelle africaine là. Je pense qu'il y aura un changement bientôt. Okay. Le prince finit de répondre à la dernière question de la dernière personne qui a appelé, puis vous allez parler. Donc, donnez quelques secondes au prince pour qu'il finisse de parler. Prince! Oui, donc j'ai dit à mon frère que on est sensible parce que quand même, on me fait rire parce que on est un peu sensible pour ça, mais ce que je peux dire, c'est que il y a des soucis au Cameroun. Ça, personne ne peut nier ça. Hein, il y a des soucis au Cameroun. Et je crois que la jeunesse au Cameroun a sa place. Et que vraiment, et nous on souhaite de tout cœur que ces jeunesses, n'est-ce pas, trouvent sa place. Mais tu comprends que ce n'est pas toujours facile pour ceux qui veulent s'accrocher. Donc, c'est très difficile parce que ça, c'est une question vraiment piège et très compliquée et très complexe. Au Cameroun, vous en sortez. Donc, vous avez laissé ça, vous avez laissé ça là-bas. Allô? Allô? Allô, monsieur Henri? Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir frère. Bienvenue à l'émission Regards sur le monde. Merci madame Katouma. Ce n'est pas une dame à l'appareil comparativement. Mais oui, je vous la une belle dame. Ouais. Oui. J'ai une fille. Ouais. C'est. Allô, vous m'entendez? Très bien. Ok, je m'identifie, c'est Rousseloumi qui vous appelle. J'ai pas arrêté tout à l'heure d'interagir suite à votre émission. Oui, Olivia, écris-moi. Après lui, je vais t'appeler. Écris sur WhatsApp. Après lui, je vais t'appeler. Oui, vas-y, vite, frère. Alors, j'avais quelques préoccupations. Déjà, je suis extrêmement touché par des déclarations, témoignages de la dame qui a été victime d'une grosse arnaque. Ouais. Et ma première question s'adresse au grand prince à qui je transmets toutes mes salutations et mon profond respect. La première Merci question beaucoup. Est de savoir si, étant déjà au courant d'un certain nombre d'arnaques qui ont lieu au sein du palais notamment, avec la présence d'un groupe Interpol, pourquoi n'ont-ils jamais pris de mesures pour éviter qu'on ne fasse davantage d'autres victimes? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation porte sur le nom du notable dont la dame a donné le nom. Malheureusement, je n'ai pas très bien retenu. Et il me semble qu'il devait être originaire ou issu du village Gambetica, dont on lui avait passé certaines œuvres qui constituaient le patrimoine pour lequel elle s'est retrouvée. Dans l'ennui. Donc ça, c'est la deuxième préoccupation, s'il reconnaît effectivement ce monsieur-là comme étant le notable de la chefferie. Alors, je passerai maintenant au deuxième point, donc notamment la troisième question, qui va s'étaler sur le fonctionnement du palais du sultan Bamoun. Parce que j'ai entendu, et ça, j'ai été extrêmement choqué, de
nous laisser entendre qu'il fallait pouvoir passer ou alors qu'il fallait tendre la main aux amis étrangers pour pouvoir venir participer au développement de notre localité. Et je tenais, sans bien vouloir avoir la prétention de lui donner une leçon de géopolitique ou de géostratégie, jamais l'étranger ne viendra bâtir votre propre maison. Donc, ceci étant, chaque fois que nous avons reçu des étrangers chez nous, ils donnent de la main droite et récupèrent de la main gauche. Ce qui portait justement sur le fonctionnement du palais du sultan, c'était celle de savoir si, au niveau du palais, il y a un budget de fonctionnement, quelles sont les sources de ces revenus-là. Première question. Deuxième question. Que fait-on de tout le patrimoine Bamoun qui se retrouve aujourd'hui dissimulé à travers le monde, qui avait été certainement dilapidé par un certain nombre justement de ressortissants du village Bamoun? Et je clôturerai en passant sur une tribune qui m'a extrêmement marqué, c'est celle de notre frère Abdelaziz Moundé Djimba. Il défend des causes qu'il partage énormément. En date du 19 juillet 2019, si mes souvenirs sont exacts, il a commis une tribune, une adresse à l'endroit du roi sultan de Bamoun, pour qui on a beaucoup de respect. Et je souhaiterais savoir si le grand prince, il a suivi cette émission, enfin, ce direct qu'il a fait comme celle de l'émission de Dame Karim Mouma, s'il a suivi cette émission-là, et que pense-t-il de l'énonciation et des propos de notre cher frère, que nous aimons tous, parce qu'il fait énormément au sein de la communauté camerounaise à l'étranger. Je ne saurais clôturer mon intervention sans dire de la peine que vous vous donnez à passer à travers cette tribune-là pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer clairement. Alors, je vous souhaiterai à tous d'excellents moments et une très bonne semaine. Au revoir, Monsieur le Prince, et au plaisir. Merci beaucoup, M. Oui, merci beaucoup, mon frère. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, le direct de monsieur Abdelaziz, qui est d'ailleurs avec qui on communique. Je parle avec lui très souvent. Et je lui donne souvent mon point de vue sur certains points. Bon, il a fait certaines sorties où il a fait certaines déclarations et il n'a peut-être pas. On savait, on est des humains. Hein. On peut se tromper parfois, comme ce fut mon cas. Mais le budget, ce que je vois, le palais n'a pas. Il a des subventions que le gouvernement donne, qui est vraiment insignifiant. Ça, je peux confirmer ça là. Et vous savez. Chez nous, avec tout ce que ça comporte, beaucoup de non-chefs traditionnels à l'Ouest vivent dedans. Ok. Donc, ce n'est pas comme en Arabie Saoudite où on a des budgets. Donc, c'est un ancien ministre, un sénateur, un. Oui, mais. Est-ce qu'il va prendre sa retraite pour donner au peuple? C'est ça le problème. Et est-ce qu'il va prendre déjà le peu qu'on lui donne pour donner au peuple? Mais quand il peut. Mais je vous dis, croyez-moi, quand je suis au Cameroun, je suis à ses côtés, je vois tous les problèmes qui règlent tout le jour au quotidien. Je te jure, chaque matin. Il y a Olivia qui essaie d'appeler là depuis. Coucou Olivia, bonjour et bienvenue à l'émission Regards sur le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si le prince m'entend bien. Il t'écoute très bien. Très bien. Très bien. Ah ouais. Bah écoutez, je ne veux pas être longue si je vous appelle sur le sujet de Kamzo. Kamzo qui est ce jeune franco-camerounais qui est en prison depuis le 2 mai. Et j'essaie de savoir ce que, voilà, si on peut l'aider, si quelqu'un peut l'aider. Je sais que les démarches ont été effectuées depuis le 2 mai et il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance et son état de santé, après les émeutes qu'il y a eu dernièrement, son état de santé se dégrade. Moi, j'essaie d'avoir de ces nouvelles via un gardien de la prison et j'ai vraiment besoin. Voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on puisse m'aider à sortir Kamzo de là. Je ne sais pas si le prince m'entend et ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut me dire aujourd'hui qu'il pourrait me rassurer et peut-être lui donner l'espoir de s'accrocher.
Olivia, Oui. s'il te plaît, Kenzo, il est dans quelle prison? En Golden. À Yaoundé. Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Depuis le 2 mai. Depuis 2000. Qu'a-t-il fait? 2000. 14 jours. Il a passé 74 jours de garde à vue au 7. Ce qu'on lui 74. reproche, c'est d'avoir été à l'ambassade du Cameroun au mois de janvier quand il y a eu de la casse. Moi, Kenzo, on fréquente la même salle de sport, on habite le même quartier. En fait, on habite à Auteuil, l'ambassade du Cameroun. Moi, je suis plus près de l'ambassade que lui parce que lui, il est plutôt vers Trocadéro, mais il n'est pas très loin. Et ce jour-là, il passait devant l'ambassade, il était 19 h. La police française avait déjà commencé à quadriller les lieux. Il a fait un direct qui est toujours sur son Facebook. Et c'est à cause de ce direct qu'il est en prison parce qu'on l'accuse d'être rentré dans l'ambassade. Or, Kenzo n'est jamais rentré dans l'ambassade. Kenzo est passé devant l'ambassade. Il a vu qu'il y avait des policiers qui quadrillaient. Il a fait un direct. Il a fait un direct qui est toujours, qui dure 16 minutes, qui est sur son Facebook. Encore au moment où je vous parle, Kenzo n'a jamais cassé. Kenzo ne fait pas partie de la base. Kenzo ne fait partie d'aucun parti politique. En fait, Kenzo s'est jamais mêlé de la politique au Cameroun. Et elle a dit que le nom c'est quoi là encore là? Kenzo, comment tu écris ça, Kenzo? C'est Kenzo comme la marque Kenzo Libimbé. C'est un gars Bamoun, mais ça n'a vraiment pas d'importance qu'il soit Bamoun ou pas Ben, Bamoun. est-ce qu'elle peut t'envoyer son nom? Est-ce que tu peux envoyer les noms, s'il te plaît? Oui, je peux. Ok, tu as contacté. Ah ouais. J'envoie tous. C'est un gars Bamoun en fait, abandonné à Condé et qui vit. Oui. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Olivia, ça fait combien de temps que Kenzo est à Koundingui? Ça fait combien de mois que Kenzo est à Koundingui? En fait, Kenzo, on l'a arrêté le 2 mai chez lui. Les gendarmes sont venus à la maison. Ils Le l'ont 2 pas mai, arrêté. quelle année? Ils ont pris 2019? ses affaires, ils l'ont pris. 2019? Oui, depuis le 2 mai de cette année. OK. Et motif? C'est qu'on le soupçonne d'être membre de la BAS. Tout à fait. Et pourtant, il n'est pas membre de la BAS. Il avait tout juste fait un direct Absolument pour pas. montrer au peuple ce qui se Il a passait à juste fait un l'ambassade. direct devant l'ambassade. Il n'est jamais rentré. Il n'est pas du tout de la base. Il allait au Cameroun en visite et on l'a abandonné à Il est lui-même. parti au Je crois que je connais ce dossier-là. Je connais ce dossier. Attends, Mouna, je crois que je connais ce dossier. Est-ce que, demande à la dame si elle est passée voir le sultan à Paris, parce qu'on m'a parlé de ça. Est-ce qu'elle est passée voir le sultan à Paris quand le sultan était à Paris? Olivia, Oui, le grand prince veut savoir si tu étais passé voir le sultan dernièrement qu'il était à Paris pour ce sujet. j'ai fait cette démarche. Ouais, parce que voilà, je connais, voilà, je me rappelle de ce dossier. Mais moi, on avait le roi avait téléphoné pour qu'on le libère. Donc on l'a pas encore libéré. C'est moi, j'ai une copie de la lettre que le sultan a fait pour l'ambassade de France au Cameroun. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce courrier, puisqu'apparemment l'ambassade n'a jamais reçu le courrier. Grand, écoutez, le prince Olivier a dit que le sultan a fait un courrier pour s'adresser à l'ambassade, mais jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade n'a jamais reçu le courrier. Pourtant, elle a la copie du courrier. L'ambassadeur n'a J'ai la jamais eu le copie de ce courrier. courrier. Quelle histoire, c'est pas vrai. Cameroun. Pas vrai. Grand prince, mais attends, vous pouvez faire quelque chose là, parce qu'il faut que la lettre va directement à l'ambassade, à l'ambassadeur. Sûrement quelqu'un a bloqué le courrier sans donner à A l'ambassadeur. bloqué ce courrier. Parce que moi je Parce connais le dossier, parce que moi je connais bien le dossier là. Parce qu'elle était venue à voir le roi pour poser le problème. Le roi a téléphoné devant nous, devant tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que l'affaire était réglée. Olivier, as-tu su? On dit que le roi a téléphoné devant lui-même, devant tout le monde. On croyait que le problème est réglé, donc apparemment ce n'est pas réglé. Non, Kenzo est toujours
et son état de santé se dégrade. Son état de santé se dégrade de jour en jour. Olivia. Bon, mais donc ce que je vais faire, quand tu vas me donner son nom et machin, je vais transmettre au représentant du sultan roi des Bamons à Yaoundé. Et je vais lui demander de me donner des informations là-dessus. Et dès que j'ai des informations, moi, je t'envoie ça. Non. Parce que moi, je connais ce dossier. C'est bizarre. On se défend et je lui donne plus d'informations. Sur ce qu'il y a à savoir, j'ai les copies de certains courriers, j'ai les copies de certains courriers qui ont été mis dans le dossier à Yaoundé. Et quand c'est arrivé au tribunal, parce que Kanto, avant d'aller à Kodendi, quand il est sorti du CED, il l'a envoyé au tribunal militaire. Quand il est arrivé là-bas, la moitié des dossiers avaient disparu. La moitié des courriers qui avaient été faits par le sultan avaient disparu. Le dossier était quasiment vide. C'est pour ça qu'il se retrouvait à Kodendi. Oh, Dieu d'Abraham. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui un grand prince. C'est Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je connais le dossier. Ouais. Et aussi, tu connais aussi le dossier de Wilfried Sewé. Il y a Camden qui parle aussi que Wilfried Sewé a eu le même problème que Kenzo. Donc, s'il te plaît, donne-lui mes coordonnées. Tu l'as. Okay. Qu'il m'envoie un message même par WhatsApp, qu'on essaie de rentrer en contact et je lui envoie tous les copies par WhatsApp s'il le faut. Moi, aujourd'hui, j'ai... Oui, donc moi, ce que j'ai besoin de copies de la lettre du roi. Et puis le contact de notre frère en prison. Et puis je vais moi-même personnellement contacter le représentant du roi des Bamouns à Yaoundé et je vais lui demander de vérifier l'information pour moi et pourquoi il est toujours en prison, parce que moi je sais de ce que le roi a réagi pour ce dossier, je sais que le roi avait réagi pour qu'on le libère, mais bon, s'il est encore là-bas, je sais pourquoi, parce que là je connais ce dossier. Pour la dame qui est passée avant, moi, je ne connais pas ce dossier, mais ce dossier-là, je connais. Et je suis étonné qu'il est encore en prison. Donc, madame, vous envoyez la lettre et puis la référence et tout. Et je vais envoyer ça au représentant du sultan roi de Bamouna. Je vais mettre en contact tout après l'émission, là. Oui. Je vais mettre en contact, prince, là. Elle va t'envoyer tout le dossier qui a été structuré parce qu'elle a les copies. D'accord. Persuadée que ça allait se faire. Si aujourd'hui je parle sur Facebook, c'est parce que j'ai tellement vu et qu'il n'y a rien qui se passe. Je me suis dit, je vais rendre public parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me battre pour Kenzo si je ne suis pas certaine de son innocence. Parce que je sais que Kenzo, ce jour-là, n'était pas. Bon, voilà. Je veux. Attends, madame. Bon, voilà ce que je veux faire là. Je vais envoyer à ma sœur Corinne le contact du sultan à Paris. Et vous allez l'appeler, et vous l'appelez, vous dites que vous l'appelez la part du grand prince. Et comme ça, vous allez vous remettre tous les dossiers. Et pendant ce temps, vous envoyez aussi les dossiers à Corinne qu'elle m'envoie. Et moi aussi, je vais aussi remettre ça au représentant du sultan roi des Bamouns à Yaoundé. Et on va essayer de trouver une solution parce que c'est bizarre, parce que le roi avait demandé. Je dis qu'on connaît, je connais le dossier, parce que c'est bizarre. Je vais envoyer Karine, et je vais t'envoyer le contact du représentant du sultan roi des Bamouns. Et elle va appeler et elle va dire que c'est la peine de ma part. Et puis ils vont prendre rendez-vous, ils vont se voir. Et elle va lui remettre les dossiers. Et puis on va essayer de suivre ça. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Parce qu'on a appelé, il a appelé, le roi a appelé. On le libère, il a donné le nom. Ça va, c'est comme ça le Cameroun. Il y a beaucoup de situations. Tu as vu que nous-mêmes, on se perd, même dans notre pays. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Merci beaucoup, Olivia, pour ce que tu fais pour Kenzo. Merci. Et EDK a dit qu'elle m'avait récupéré l'enfant. Merci beaucoup, Olivia. Beaucoup de courage à toi. J'ai confiance au grand prince. D'ici quelques jours, Kenzo sera hors de cette prison et vous reviendra en France. J'espère vraiment. Merci pour tout. Merci aussi. Okay, bye. Oh, Dieu d'Abraham, grand prince.
Waouh! Mais aujourd'hui, c'est grave, hein? Ça, c'est. Waouh! C'est pas vrai, ça. C'est ça. C'est aussi ça l'objectif de l'émission. C'est aussi venir en aide aux autres qui en ont besoin. C'est de sauver des vies. C'est aussi ça l'objectif. Mais vous savez, quand c'est une émission qui est là, qui est beaucoup sociale, comme dans ce que vous faites comme ça aujourd'hui, vous verrez beaucoup de personnes. Ils ne sont pas là pour écouter, hein. Ils sont partis. Mais pourtant, c'est une chance d'être à vous aujourd'hui. Et voilà que vous allez régler beaucoup de situations aujourd'hui. Je suis très contente que vous avez honoré à votre présence. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et ceux qui ne font qu'envoyer des questionnaires, le grand prince nous reviendra une autre fois pour une autre édition. On ne peut pas tout parler en une journée, c'est trop long. Et Très, vraiment, c'est. les C'est. occupations. J'ai ma fille là, je dois aller récupérer ma fille, elle a besoin de moi. Donc, grand prince, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse camerounaise qui est là aujourd'hui, qui vous écoute? Eh bien, puisque l'émission tire est vers la fin, c'est ce que je peux dire. Je vais essayer de faire des sorties médiatiques pour essayer de sensibiliser le pouvoir public de prendre. Nous sommes à terme de notre émission. Vous continuez à signaler. Vous avez vu l'émission aujourd'hui, comment ça sauve les vies. Voilà au moins deux personnes que Grand Prince, grâce au Grand Prince, vous seront libérés en prison. Il y a le problème de notre sœur là, qui sera directement remis chez le sultan. Donc arrêtez de signaler, s'il vous plaît, envoyez plutôt les cœurs. Voilà. Donc, Camdem là, envoie le Grand Prince, il faut envoyer le dossier de Wilfried là. Envoie son dossier, Grand Prince va gérer ça. Grand Prince, votre message à la jeunesse camerounaise. Bah, tout à l'heure, là, on a été coupé, je ne sais pas, parce que vous m'appelez. Bon, moi, je dis que ça, c'est un sujet qui me préoccupe. Moi, j'ai mal, parce que quand je vois des jeunes de mon village, de notre village, dans différentes régions du Cameroun, qui, après le bac, ne peuvent pas trouver de boulot, les femmes sont livrées à elles-mêmes. Sans avenir et tout, et tout ce qui se trouve comme issue pour sortir de cette misère, c'est d'aller en Europe dans les conditions qu'on sait. Ça, c'est un problème très préoccupant pour tout parent. Parce que, vous savez, je me rappelle quand j'étais enfant, on disait toujours, voilà, si tu n'as pas ton certificat de fin d'études, tu ne seras rien. Aujourd'hui, avec le bac plus 5, on n'a pas d'avenir. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de sensibiliser l'opinion. Notre rôle, c'est de pouvoir sensibiliser le pouvoir public pour qu'ils, n'est-ce pas, prennent leurs responsabilités. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus fuit de rien. Je vous dis que moi, le dossier de cet enfant-là, de ce jeune-là, j'ai suivi, je connais ce dossier. Et Pourquoi quand on me dit aujourd'hui qu'il est en prison, a été là? eh bien, je suis un peu quelque part un peu sidéré, parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que on espère que le gouvernement, bientôt, avec l'opposition, vont s'unir et puis essayer de dialoguer pour, n'est-ce pas, éviter le chaos au Cameroun. Parce qu'il n'y a personne de. Moi, j'ai envie de finir ma vie au Cameroun. Moi, je n'ai pas envie de finir ma vie en Amérique ou en Europe ou ailleurs. Et quand je vois de nos jours des gens qui sont au pays de blanc depuis des années, qui n'ont pas pu archiver leur rêve, parce que. Ils ont été interdits de faire certaines choses dans leur propre pays et ils sont obligés de partir vivre au pays des Blancs et parfois dans des conditions excessivement misérables, se fait traiter avec tout ce que l'on connaît.
Ce n'est pas un truc que j'aimerais. Enfin, j'aurais aimé que le pouvoir public pense cette doléance et que notre frère qui a fait appel, je te promets que à l'heure où je vous parle, il y a le ministre que je connais qui suit cette émission en direct, Yaoundé, et j'ai des amis aussi, des ambassadeurs qui suivent aussi cette émission. Ok, grand prince, nous sommes à terme de cette émission. Il faut dire à vos amis ambassadeurs qu'ils sont bienvenus à l'émission Regard sur le monde. Vous avez vu ici, c'est la liberté d'expression pour tous dans la politesse et dans l'amour. Ici, il n'y a pas de cri, ici, il n'y a pas de guerre, ici, il n'y a pas de. Ici, c'est la positive attitude. Bon, je voulais profiter de cette émission pour dire un petit coup pour envoyer Madame Lydia, ma grande sœur, la princesse Adama, mon grand frère, le prince Inou Sanjoya, premier adjoint du sultan roi de Bamoun. Et fais un petit coucou à papa, parce que c'est qui suit ça en direct, le palais suit ça en direct, cette émission. Et je voulais aussi profiter pour dire bon, envoyer un petit coucou à ma grande sœur, la princesse Sylvie Aïcha Afumbot. Et sans oublier Nzenap à Paris. Je ne peux plus prendre les appels. L'émission est finie. Allô? 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 Oui, nous sommes à terme de notre émission. Je ne pourrais pas avoir 2 minutes là. Je voulais poser une question au prince. Vous allez parler au prince, mais il va vous répondre ça la prochaine fois parce que franchement, je dois arrêter. Grand prince, ok, bienvenue à l'émission Regards sur le monde. Grand prince vous écoute. Allô? Oui, Oui, grand. je vous écoute. Vraiment, je m'excuse pour le dérangement. Non, il n'y a pas de danger. On est là pour ça. On est là pour ça, pour répondre à une D'éteindre. question. Allez-y vite, s'il vous plaît. Oui, ok. D'accord, monsieur grand-père, en ce moment, je viens. Je vous appelle depuis Paris. Je vous appelle depuis Paris et je suis l'un du fils du loup. Oui. Je suis l'un du fils du loup. Oui. Pour ça, moi. Voilà. À quel? Salut. Petit frère, s'il vous plaît. J'ai une doléance, en fait, un problème qui me préoccupe beaucoup venant du nom, que Mmh. on voit comme ça sur l'antenne, on tient vraiment à poser au moins. On est fiers en fait de vous voir sur l'antenne parce que par là on pourrait profiter, on peut profiter comme notre soeur nous a dit pour vous parler et au moins nous libérer enfin de ce qui nous dérange en fait. Et Mon frère, si vous ne pouvez pas parler, vous allez parler prochainement. Le temps, mon frère, le temps. allô, est-ce qu'il est encore connecté? Grand prince, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il a un problème avec son téléphone. N'entend rien, ouais, c'est vrai. Grand On prince, n'entend rien. on doit conclure. Je dois aller récupérer l'enfant. Vous aussi, vous avez vos occupations. Soyez souvent à l'heure. C'est pas grave. OK. Viendra, vous pouvez envoyer des questions et puis je vais lui transférer. Il va écrire, je vous retransfère ça. C'est pas grave. Sans problème, sans problème. Et d'habitude, qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez. Oh ben, l'impression, très bonne impression de votre émission et je vous félicite pour ce que vous faites. Et je crois que cette émission est plutôt éducative puisque beaucoup de nos frères, de nos sœurs camerounais et camerounaises, n'est-ce pas,
vont apprécier cette émission. Parce que les gens ont toujours tendance à croire que cette émission est faite pour les Bambliké. Non, ce n'est pas fait pour les Bambliké, c'est fait pour tous les Camerounais. Que tu sois Boulou, Même pas. Nordique, Bassa, machin, tu peux venir à cette émission. Karine est une femme extrêmement gentille et puis elle est accueillante et tout. On a quand même préparé l'émission ensemble et elle a été très, très, très accueillante. Et j'encourage tous mes amis qui m'ont déjà envoyé les messages que ils vont voir comment ça va se passer et puis ils vont se prononcer aussi s'ils peuvent passer aussi à cette émission. Et je peux déjà te garantir que j'ai certains amis ministres qui m'ont déjà contacté et qui, n'est-ce pas, sont quelque part intéressés. Alors, maintenant, il va falloir trouver un temps pour, n'est-ce pas, faire le direct avec. Je crois que c'est pour bientôt. Et je vais pas oublier de dire que je vais insister à ma grande sœur, la princesse Rabia Toumoma Fonjoya, qu'elle doit passer à cette émission parce que c'est une émission vraiment très, très importante et très, très, très insistante. Et je te rends hommage et je te félicite pour ce que tu fais. Mais c'est vrai que les questions ont été un peu plus difficiles. Et ce qui m'a un peu affecté, c'est la dame qui s'est fait arnaquer. Franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup fait mal. Ok. Merci beaucoup, grand prince. Merci, Merci merci tout le plaisir pour moi. d'honorer à notre invitation. Sachez que cette émission est ouverte pour tout le monde. Et je rends aussi hommage à tous ceux qui ont suivi et tous ceux qui ont appelé, qu'ils ont été très polis et gentils. Et je crois que ça va continuer comme ça. Et j'appelle encore une fois de plus que nous voulons la paix au Cameroun. Et nous voulons, je veux et j'appelle encore tous mes frères et mes sœurs de faire preuve de retenue et d'arrêter de s'insulter et de s'envoyer des pierres. Parce que s'insulter, ça ne sait pas, ça ne règle pas le problème du Cameroun. Il faut s'asseoir et discuter comme les gens civilisés. Alors, si on s'insulte, on se bagarre, on ne peut pas régler le problème. Et c'est ça qui est un peu désolant. Mais j'espère que nos leaders politiques vont assumer leur responsabilité. Parce que, comme dirait Mobutu, les hommes politiques ils doivent assumer leur responsabilité. Et puis maintenant, les noms comme ça, là, Seigneur, il y a quelqu'un qui dit là, au printemps, a promis qu'il devait nous faire le faroutage à 500 dollars. C'est ça que j'attends. Voilà, mais ça c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, on va essayer d'organiser ça. On va faire une petite fête et puis on va essayer d'organiser ça. Ensemble, C'est grave avec eux. Merci beaucoup, grand prince. Merci encore d'avoir honoré à l'invitation. C'est avec un très grand plaisir que nous avons eu ce moment avec vous et nous vous disons grandement merci. Que le Seigneur Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. À très prochainement encore notre émission. Merci. N'oubliez pas Bye. de bander. Bye. Ok, je peux pas oublier, grand prince. Ouf, enfin, nous sommes à terme de notre émission. Nous allons écouter une petite musique et puis on va se séparer. C'est pas facile. Beaucoup de courage à toutes ces personnes hein, qui vivent des moments difficiles, qui ont été arnaquées. Et Kenzo, t'inquiète, tu sortiras de là. Abraca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 b
Dombé Antoinette La Fortune, à Phénomène, à toutes ces personnes, l'Irlandaise, à La Fleur, merci tous les cœurs. Merci à EDNK, merci à Camden, merci à Olivia, merci à Narcisse, merci à... Vous êtes tellement nombreux, merci à tous. Merci aussi à toutes ces personnes qui ont partagé l'émission. Grâce à la présence de Prince à notre émission, je pense que Kenzo et Wifrit seront libérés bientôt de la prison. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Je vous souhaite très belle semaine. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Et n'oubliez pas toujours de vous éloigner du mal et faites du bien, car le bien est bien. Restez toujours dans la positive attitude avec Madame Fleur Karinouna, la Oprah Bamileke. Je vous aime. À la semaine prochaine. N'oubliez pas la positive attitude. Bye bye.